cliquer. Voilà, on va être pas mal là. Ah, qui est pile à l'heure, hein. Une vraie petite pucelle, dis donc. Non, bon. Bon. Normalement, ça devrait être coupé, cette partie-là. Tu vois ? Ok, ouais. Très bien. Oh, c'était bon ça. Voilà, là c'est bon. Le replay sur l'administration, c'est pas mal. Ok. J'ai même commencé un live. Ok. Voilà. Voilà, très bien. C'est bon ? Ça fonctionne ? Combien ? Combien qu'on est ? Combien qu'on est qu'en ligne ? Et on était déjà 10. Comme la dernière fois, déjà 10 quand je prépare le live, c'est bon, je le prépare le matin de bonne heure, sinon on peut pas programmer la planification. Il y a Shadow qui passe, après Sébastien et tout. Et donc je prépare et tout, puis bah, après là, il restait une petite heure, je vais venir là, préparer un peu pour mettre le chat directement sur ma fenêtre, préparer les films et séries télé, puisque j'avais déjà ma fiche, mais... Il manquait Mario, et puis je voulais parler aussi d'une chaîne YouTube. Ça permettra d'engrainer une nouvelle catégorie dans ce live endiablé, enfin les films et séries télé, et quand je découvre une nouvelle chaîne YouTube qui me fait kiffer grave, de la partager un peu avec vous. Et donc je regarde et tout, puis voilà, déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas mal. Alors pourquoi vous n'êtes plus que 7 maintenant? Pourquoi tout à l'heure 8? Moi je remarquais 8, 7. Je sais pas, ils sont partis. Dis, ils viennent, ils attendent et après ils partent. C'est nul. C'est nul. Je comprends pas. Pourquoi ils étaient 10 en attente avant et là, on se met en ligne, ils puent. Voilà. Bon, bonjour à tous. Comme toujours, je suis un peu en avance, 3 minutes en avance, histoire de que vous. Voilà, que vous receviez la notification. Ah, c'est ceux qui ont oublié, ceux qui étaient là en avance, tant mieux. Mais ceux qui n'étaient pas là en avance, qui disent, ah là, le live vient de commencer, savoir qu'ils ont 3 minutes de time-lapse, voilà, de temps temporel, pour éventuellement se remettre hop, sur leur siège et de commencer un peu la vidéo. Parce que maintenant, j'étais en train de regarder les stats de la vidéo du IVCVPN qui marche super bien ce matin là. Tout le monde est vénère avec ma promo IVC, enfin ma promo, c'est pas la mienne, hein. C'est IVC qui l'a faite, mais c'est une promo qui est quand même super intéressante, à moitié prix, enfin pas à moitié prix, mais le double. Donc, ils font le même prix, mais ils t'en donnent deux fois plus. C'est quand même une offre plutôt sympathique. Voilà. Le bracelet marche super bien, tout est bien cette semaine, on en parlera bien avant. D'ailleurs, le programme, il est chargé, bien évidemment. Bon, quelle heure il est? 59. Ah oui, faut que je mette le téléphone là. Ben oui, je suis cru, il faut que je mette le téléphone là. Comme ça, ma petite horloge à 1 500 €. Voilà. 22 h. Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG. Je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du dimanche. Ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches. Et je sais, alors vous n'êtes pas ultra nombreux à venir pendant ce live, et je crois que pas non plus beaucoup pendant le replay, mais ceux qui sont là, ça leur fait plaisir de venir, et moi ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour une heure, normalement une heure minimum, plus si affinité. On parlera du programme, les sujets sont dans la description, si vous voulez aller voir, vous allez dans la description, normalement il y a les timers. Normalement, pour ceux qui regardent ça en replay, ça fonctionne, ça vous cliquez dessus, ça vous emmène directement au moment qui vous intéresse. Si on veut parler de l'arnaque au sentiment version asiatique, on va en parler. J'ai préparé, hein. J'ai bossé. Hein. Papa, il a bossé. Plein d'histoires de mythos. Non, des vraies histoires. Je ne suis pas allé au bout des histoires à chaque fois, mais j'ai quand même plein d'histoires. Voilà. Bon, 8 en ligne, c'est bien. Bon, on est pas mal. Ok, les modérateurs sont là. Le timer ici, on a déjà eu, avant que ça commence, un petit Tipeee de Fredo, voilà, qui nous a fait un petit Tipeee, on voit son nom en bas, ça clignote plus, avant ça clignotait, là ça clignote plus, ça doit venir chez Tipeee. Vous pouvez faire un Tipeee pendant l'émission, nos modérateurs vous mettront le lien directement dans le chat, sinon vous le trouverez dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire un super chat, tout ça, voilà, si financièrement vous pouvez, que vous avez envie de le faire et tout, voilà, hein. Tout travail mérite salaire, il paraît. Top les lives. Bon, on est un peu en avance. Il y a pas mal de trucs, hein. Pas mal de trucs. Bonjour. Ok, les bonjours, c'est fait. Bonjour à ceux qui sont là. Bonjour à Sébastien qui était là bien. Non, c'est Shadow le premier. Après, on a eu Kashin Kroji. Après, on a eu Sébastien qui vous rappelle de mettre les pouces en l'air. C'est déjà 11 en ligne et
15 pouces en l'air, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont venus, sont partis, ou ils sont déconnectés, ou alors ils ont plusieurs comptes. L'important, c'est la rose, bien évidemment. Rose, l'important. Bon, allez, au programme de ce live, bien évidemment, on parlera des reviews de cette semaine, les reviews à venir, on parlera de l'arnaque au sentiment version asiatique et surtout version Bitcoin, on verra comment cette arnaque au sentiment évolue tout doucement et les cas auxquels j'ai été confronté de moi-même, et de vous-même d'ailleurs, puisqu'on a suivi un peu les aventures, même si c'est toujours un peu le même principe. On parlera également à Evin de ChatGPT qui évolue pas mal, assez rapidement, qui passe en version web, qui passe en version plugin. On parlera des plugins que j'utilise et que j'ai testés. On parlera des évolutions du coup qui s'offrent à moi grâce à ces nouveaux plugins. On verra que ça a du sens. On parlera également de la PK qui est disponible enfin uniquement aux États-Unis. Sauf pour ceux qui travaillent chez Apple. À la demi, on parlera des films et séries télé de la semaine et je parlerai de ma chaîne YouTube Coup de cœur, dont je me fais une ou deux vidéos par jour en ce moment là. Je me régale. S'il y en a qui aiment bien, je crois que c'est Phil Dupe. Voilà, on est à peu près dans la même lignée. Mieux, je trouve mieux. Plus mon délire et tout, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et bien évidemment, au milieu de tout ça, quand j'aurai un peu de temps, je lirai vos commentaires, je répondrai à vos questions. S'il y a des sujets dans la description qui vous intéressent, vous pouvez les copier-coller et les mettre dans le chat. Si vous avez questions diverses et variées sur plusieurs sujets, vous pouvez en parler. Et cette semaine, il y avait quoi comme... Alors, cette semaine, il y avait beaucoup de reviews. Il y avait un, la glacière EcoFlow. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai vu qu'il avait fait? Jojol aussi, qui avait fait la glacière. Ah oui, il a fait les deux en un. Il a fait la glacière et la clim deux en un, en extérieur et tout. Deux styles complètement différents pour un produit qui est équivalent, bien évidemment. On parlera bien du bracelet Cospet Tank X1. Alors, apparemment, on avait déjà travaillé avec la marque Cospet, mais j'avais oublié. Là, on a un nouveau produit et tout. Ça fait plaisir. Le produit, il est très sympa, très intéressant. Je sais que la vidéo a beaucoup plu. Et vous êtes nombreux à avoir craqué comme ça. Vous pouvez pas l'acheter. Ils m'écrivaient sur Instagram. Je peux pas l'acheter. J'ai dit, bon, ça commence demain et tout. Voilà. C'était pas mal. Et aujourd'hui, évidemment, on a fini avec IVC VPN. La promo. Il a contacté début de semaine. J'ai dit, ouais, mais ça va être quoi le sujet? Il me dit, si vos membres achètent 5 ans, on leur offre 10 ans, soit 5 ans supplémentaires, ça faisait plaisir. Et la semaine a été quand même plutôt chargée pour moi parce que vendredi, il devait y avoir surtout le Geekom AS5. Et évidemment, quand je lui ai envoyé le draft mercredi ou jeudi, il me dit « Ah, mais non, tu comptes faire c'est reporté à juin. » Genre mi-juin, je crois, en plus. Donc j'avais quand même pas mal avancé sur le dossier. Et là, la vidéo est reportée. Alors du coup, là, puis après, pareil, après, je vais travailler sur la vidéo du Hotwave X. Pareil, le mec, il avait rien de préparé, donc tout est reporté un peu au mois prochain, mais j'ai pas mal de trucs qui sont déjà faits. Les reviews à venir, demain, on aura donc le Doogie V30T. Alors, c'est pas une version thermique du V30 par rapport à ce que je pouvais penser, mais ça sera un Doogie V30, là, par contre, avec un Dimensity 1080. 5G, tout ça, 500 000 points sur AnTuTu, ça commence à faire sérieux, toujours des bonnes caméras, toujours une belle configuration. Vous allez voir que le téléphone, bah, il est parfait. Désolé, mais il est parfait. Alors après, il me dit, oui, mais on verra. Vous allez voir pourquoi il est parfait, mais pour certains, il n'est pas parfait, mais quelque part, il répond à tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone de 2023, autonomie, caméra, écran, tout ça, tout ça. Voilà. Milieu de semaine prochaine, il y aura donc le AGM G2 que je suis en train de faire. Un téléphone qui sera en promo, rien que pour vous, à 1000 euros. Je déconne pas, hein. 1000 euros, mais ils vous offriront 150 euros de cadeau quand même. Et ouais, non, mais c'est le prix pour de vrai. Oui, parce qu'il a une caméra thermique avec une portée de 500 mètres. C'est-à-dire que tu peux te mettre jusqu'à 2-3 mètres pour voir la thermique et ça zoome et ça permet d'avoir... Il y a une résolution de fou pour la caméra thermique. 540 000 sur AnTuTu avec un nouveau processeur Snapdragon que je ne connaissais pas, mais bon, 2G, 5G. Caméra 108 millions de pixels. Enfin, c'est une bête de course. Voilà, mais 1000 balles. Mais arrêtez. C'est pas... Moi, je ne suis que le messager. Moi, on me dit, c'est 1000 balles. Je vous dis, c'est 1000 balles. Point barre. Voilà, non, il est à 940 euros sur AliExpress, avec un petit coupon. Voilà. Il y aura donc le i5 qui est reporté au mois de juin, le Hotwave X qui devait là, hein, on le fait, je vous avez le prix, vous avez une fiche, il y a une pauvre fiche toute pourrie. Pas de prix, pas de rien. Je dis, bah ouais, mais c'est pour quand? Il me dit, c'est le 15 juin. Je dis, bah on va attendre un peu, alors on va pas le mettre tout de suite. Si c'est pour le 15 juin, là, c'est vraiment énerver les gens. Pour qu'après, le téléphone, il l'oublie et tout. Vers le 10, c'est bien. Donc, la vidéo est reportée pour le 10, comme ça, le 10, et la vidéo sort le 15. Ça me paraît beaucoup plus évident. On a également reçu le Doogie V20T.
Je sais pas, mais il est pas donné non plus. J'ai toujours... Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que j'ai ouvert le Samsung, là. J'ai toujours les deux trottinettes Navi avec la V40 ou la V40 Pro. Geekom nous a confirmé que certes, le AS5 est reporté au mois de juin, mais ils nous ont déjà envoyé le AS6, qui sera une version encore plus musclée. Ça fait plaisir. Kubo m'a confirmé qu'ils ont bien envoyé le Kubo P80 aussi, pour faire une petite review de leur nouveau Kubo, puisque si le Kubo est... Voilà, on attend dessus. J'ai également enfin reçu le tracking pour le IIi F150. Nouveau téléphone, apparemment il n'y a pas de données non plus, donc il va être plutôt pas mal. Et il y aura enfin au mois de juin la trottinette 10 000 watts. Puisque oui, enfin, j'ai vendu la 8 000 watts, parce que bah, elle était là et que c'était en échange d'une review, donc on avait aussi à mettre beaucoup de sponsors, mais voilà. La 10 000 watts est quand même vachement... Allez, 10 000 watts, laisse tomber. Je l'ai essayé cet après-midi, ça touchait un peu. J'ai fait, putain, ça a de la gouache, le tube et le guidon. C'est pas fait pareil. Le guidon, il est pas fait pareil. La batterie, elle est amovible, elle est énorme. Je crois qu'elle fait 90 ampères, la batterie. C'est un monstre. C'est un monstre atomique. Les feux, tout est énorme sur cette trottinette et tout. Vous allez kiffer au mois de juin, puisque il dit dans mon oreillette qu'au mois de juillet, il y aurait un autre produit électrique qui ne serait donc pas deux petites trottinettes V40, qui ne serait pas une grosse trottinette 10 000 watts avec batterie amovible 90 ampères-heure. Tout ça, et c'est quand même déjà plutôt pas mal. Mais il y aurait peut-être un autre produit complètement là. Après, c'est un train. Non, je vous tease, vous n'attendez pas un truc de ouf, mais c'est quand même pas mal. Et peut-être des partenariats, parce que normalement, il y aura une sponsor pour la trottinette qui devrait tomber au mois de juin. J'attends qu'elle confirme ça. C'est pour ça qu'elle devrait tomber au mois de juin. Et au mois de juillet, donc il n'y aura pas de sponsor, ou peut-être pas tout de suite pour la... Voilà. Mais il pourrait y en avoir d'autres, puisque ça sera un produit électrique et on pourrait mettre un panneau solaire dessus et recharger la batterie qu'au flot pendant qu'on roule. Et... Oh, vous allez voir, je dois confirmer et finaliser tout ça, mais... Il y a du bricolage, voilà. Et voilà un peu pour les reviews de cette semaine et les reviews à venir. Il y a pas mal de produits sympathiques. Il y avait d'autres trucs, là, projet Indiegogo d'une trottinette, je sais pas, elle est pas revenue. Pareil, Navi, tu vois, elle devait payer trottinette pour faire les reviews 2 en 1. Elle est pas énervée, tant mieux, puisque là, cette semaine, ben, donc il y a les faits. Demain, je fais la GM, lundi, mardi, parce que je fais français, anglais, les tipeurs reçoivent la vidéo, bien évidemment, 24 heures avant tout le monde. L'intérêt peut-être de devenir Tipeee pour vous, mettez 1€, toutes les vidéos, vous les recevez avant tout le monde. Donc comme ça, je ferai l'AGM, et une fois que j'ai fait l'AGM, après, je suis tranquille. J'ai fini jusqu'au mois de juin, je suis peinard. Toi, j'ai plus rien d'urgence, enfin jusqu'au mois de mai, je suis tranquille jusqu'au mois de juin, donc après, je pourrais me détendre un peu, revenir sur des trucs peut-être un peu plus fun, comme des bracelets connectés pour l'Apple Watch Ultra. On en fera peut-être une par semaine, le samedi. Alors, je voulais vous faire un truc pour expliquer comment faire le chat et manin. Je suis pas trop de temps, là. Un peu débordé, là, avec toutes ces reviews. Et puis, tout compte fait, tout est décalé, donc voilà. J'ai bossé beaucoup pour pas de trop. Bon, il est déjà 10, l'heure de vous parler de l'arnaque au sentiment version asiatique crypto. Parce que le titre, il est limité, donc il a fallu au début, c'était l'arnaque au sentiment, version crypto. Alors, bon, l'arnaque au sentiment, c'est assez connu, notamment, je pense, ça a commencé avec les brouteurs. On demandera à Shadow, qui est pote avec Sandos. Non, mais non, non. Eh non, toi, tu es revenu à ton marabout. Hein. Mais ouais, toujours. On pense quitter la famille. Comme Toretto, tout le monde pense quitter la famille, mais tout le monde revient. Ah, si vous avez la ref, là, vous mettrez en commentaire. Je pense que beaucoup ne l'auront pas. Parce que j'ai pas d'amis, mais j'ai une famille. Voilà. Non, bah, revenons dans autre chose. voilà. Donc, l'arnaque au sentiment, des mecs ou des meufs qui se font passer pour d'autres, donc des belles photos, qui te chattent, nanana, oh, t'es trop belle, oh, t'es trop gentille, vite une relation qui s'installe, oh, t'es vite mon boyfriend, mon girlfriend, un peu de nos relations en distance, puis après, au bout d'un moment, donne-moi de l'argent, aide-moi, des problèmes, des histoires incroyables, et ça commence comme ça, et j'ai eu plusieurs cas. Alors, le premier que j'ai eu, dans ce type-là, c'est sur Facebook, une meuf qui m'ajoute, une Française, voilà, bonjour, je ne sais plus comment elle s'appelait, nanana, voilà, je travaille, je fais de l'import-export avec mon père, tout très bien, je sais pas, elle était doux, mais bon, c'était pas très grave, voilà, on chattait, c'est bizarre qu'une meuf te contacte sur Facebook en demande d'amis, je sais pas pourquoi, tu sais, après, comme je suis sur plusieurs sites de rencontres, c'est possible, tu vois.
Et au bout d'un moment, elle me dit, oh là là, je dois partir voir mon père en Afrique pour le business. Puis après, elle arrive en Afrique. Et là, voilà, c'est évident, ça commence. Je suis en Afrique, j'ai des problèmes. Voilà. Alors là, tu dis, voilà, elle commence à rentrer dans les problèmes. Tu dis, bien évidemment, c'est de l'arnaque, laissant tomber. Il y en avait beaucoup également, alors sur le Tinder version, je vais pas dire asiatique, mais en Thaïlande, quand tu cherches des meufs sur Tinder, il y en a beaucoup qui sont soit qui disent qu'ils sont en Thaïlande, soit des meufs, des chinoises ou des d'autres pays qui disent mais elles sont venues en Thaïlande. Alors elles sont localisées à Pattaya, ce qui est quand même pas le meilleur endroit, puisque bon, t'as pas besoin de quémander au bout d'une chinoise ou une... Non, alors que t'es à Pattaya, tu vois. Mais elles se font croire qu'à... Ah mais je suis passé, j'ai ah mais t'es où, ah mais je suis reparti en Chine, je suis parti à Hong Kong, je suis parti ici, je suis venu à Pattaya pendant pour mes vacances, je comprends pas, ça doit être l'application, nana. Ou alors quasiment, il y en a plusieurs, c'est des Cambodgiens ou des Cambodgiennes qui sont passés pour des meufs. Le principe est toujours le même, lier une connaissance, nana, et au bout d'un moment, elle te sort des problèmes, soit les Thaïlandaises le font très bien, et c'est des vrais, enfin c'est des faux problèmes, c'est des vraies Thaïlandaises, et après, bah, d'autres qui viennent d'autres pays, le but c'est vraiment d'attraper un peu des gogos. Il y a eu une nouvelle arnaque que je dois vous donner, une meuf qui m'ajoute sur WhatsApp. Voilà, parce que bah, évidemment j'ai un numéro de téléphone thaïlandais, donc mon WhatsApp est lié à mon adresse, est lié à mon numéro de téléphone thaïlandais. Une meuf qui m'ajoute, oui bonjour, oui c'est Ching Mignon, là, tu sais, avec une petite photo d'une jolie chinoise. Oui, je prends, comme convenu, je prends contact avec vous pour notre séjour en Thaïlande, pour le tour, nanana, visite. Donc la première fois, tu l'écris, tu dis non, excusez-moi, vous êtes trompé. Je suis pas le tour guide. Ah bon, vous êtes pas machin, truc et tout. Et là, amorçage. Du coup, ouais, ah bon, vous êtes pas là et tout. Alors, comme c'est une jolie chinoise, la première fois, tu dis, oh, une petite chinoise comme ça, qui va venir ici. Ah, vous êtes où? Vous êtes à... Ah, je suis à Pattaya, c'est bien. Truc. Puis là, tout de suite, ben, après, ça rentre dans le truc. Ah bon, ah ben, on va venir en vacances et tout. Donc là, éventuellement, ah ben, est-ce que vous pourriez nous conseiller des trucs? Nanana. Et l'amorçage se fait comme ça. Mais la finalité est la même. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est pas qu'il y a derrière et tout, mais j'ai trouvé l'astuce de l'amorçage via WhatsApp très très bon. Ils prennent un numéro au pif, comme ça, tu vois, ou alors ils l'ont déjà trouvé sur d'autres sites, et ils amorcent en disant, oui, on cherche un tout guide, alors tout de suite, tu dis, oh là là, une chinoise qui va venir, ou là, là, comme ça. J'en avais une autre sur Tinder, bon, alors, les Thaïs qui sont des meubles qui sont passés pour des Thaïs, mais en fait qui sont au Cambodge ou qui sont repartis et tout, ça on en a parlé, ou quasiment des fois c'est des mecs hein, sur Thaïs stupides et Thaïs cupides. Par exemple, des jeux, quand elles sont un peu trop belles et qu'elles t'écrivent en premier, généralement, quand elles sont trop belles, trop jeunes et que c'est elles qui t'écrivent en premier, tu matches, nanana, et c'est elles qui t'écrivent en premier. Quand tout de suite il y a du contact facile comme ça, tu sais, généralement, voilà, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y en avait une, alors, dans les nouvelles générations, qui était assez intéressante, c'est, moi j'avais eu Hong Kong, une meuf, oui bonjour, non, mais je suis venu en vacances, j'habite à Hong Kong, alors soit j'ai eu une meuf qui travaillait dans le business, elle avait une banque, machin, voilà, elle s'occupait de la gestion et tout, donc là, tout de suite, voilà, j'en avais une autre qui avait un salon de massage et tout à Hong Kong, machin, trop bien et tout, et généralement, une des récurrences sur ces nouvelles générations, c'est que les meufs sont blindées. Tout de suite, elles te mettent à l'aise en disant « Je suis blindé, j'ai mes business, nanana, l'autre, elle était à Hong Kong, elle a un salon de massage, elle faisait voir des photos et tout, blindé, blindé, tu vois, waouh, en plus, elle est blindée, mieux qu'une meuf à Monaco, une chinoise à Hong Kong. » Et comme ça, ça met en confiance, parce que tu dis « Elle, va pas me demander de l'argent pour son buffalo. » Et oui, parce que c'est plus malin. Comme ça, et généralement, assez rapidement, elles te disent qu'elles font du business ou de l'investissement et elles t'envoient directement une preuve qu'elles ont du bitcoin à fond les ballons. Les deux que j'ai eues tout de suite, elles m'ont dit « Ah, regarde mon compte en banque, je fais ça, je fais du business en plus, ou je fais du bitcoin, ou je fais de l'investissement, regarde, je suis blendé. » Voilà. Et ça, généralement, c'est la première amorce. Tu dis, ouais, la meuf, elle est blindée, c'est trop bien. En plus, voilà, elle est belle, elle est riche, voilà. Il y en a le cas d'entre vous où elle était, je sais plus où, mais voilà, qu'elle soit en Malaisie ou généralement, elles sont dans des pays. Enfin, les mecs qui sont derrière, tu peux croire qu'elles sont dans des pays plutôt bien. Comment ils font les mecs? Généralement, ils suivent des comptes WeChat ou des comptes de meufs qui font des meufs blindées. Il y en a plein. Tu cherches un peu des meufs qui sont blindées et qui vivent en Hong Kong. Il y
il y en a pas mal. Il suffit de reprendre leur fil parce que du coup, ils inventent les histoires par rapport à ce qu'il y a. Si la meuf blindée samedi, elle a été faire la fête avec ses copines dans un restaurant trop la classe, le mec dimanche, il va te raconter l'histoire en disant oh là là, aujourd'hui, je vais avec mes copines, on va dans un restaurant, on va faire ça, nanana. Alors toi, tu dis ah, vas-y, envoie-moi des preuves. L'autre, il fait un screenshot, t'envoies le truc, et voilà. Donc, du coup, il a déjà une histoire, puisqu'il suit quelqu'un qui est blindé, une vraie personne, et il te raconte l'histoire d'une autre personne, et toi, tu y crois un peu sur parole. Et généralement, rapidement, il y a l'investissement qui se met en place. Tu penses quoi du Bitcoin, ou je fais ça, il y en avait une, elle disait, oui, ça va pour toi, je dis, ouais, ça va, Alice. Elle dit, ouais, moi, je fais ça, ça marche super bien, mais si tu veux, je pourrais t'aider à gagner de l'argent, hein. Alors du coup, tu sais, ça part d'un bon sentiment. Tu dis, la meuf, elle est blindée, elle veut m'aider à en gagner. Ça va bien comme ça. Mais voilà, encore une fois, tout ça, c'est de l'amorçage, c'est bidon. Alors, il y avait plusieurs... J'ai entendu plusieurs niveaux de trucs. Au tout début, c'était de l'affiliation. C'est-à-dire qu'il t'amorçait comme ça, et il te faisait t'inscrire sur des sites comme Coinbase, ou des trucs de partenariat, ou des trucs d'investissement, puisque si tu crées un compte sur un truc de crypto, généralement, quand t'as de l'affiliation, t'as 50 ou 100 balles. C'est pas mal, hein, pour juste amorcer un peu comme ça. Et après, sur des trucs d'investissement, de crypto, de machin, de trucs, un peu comme les casinos, quand le mec, il fait son premier dépôt, eh ben, l'affilié, tous quasiment pareil, quoi. Je crois que c'est 100 ou 200 balles, tu vois. Comme ça, tu te dis... Généralement, c'était plutôt bien fait, parce que tu dis, j'ouvre mon compte, t'es Coinbase avec son lien d'affiliation, donc là, t'es bien, c'est ton compte, tu dis, ah, elle va pas me voler l'argent. Et après, elle te dit, je vais t'expliquer pour cette plateforme-là. Donc, tu t'inscris sur une plateforme, tu mets de l'argent, tu dis, je gère tout, pas de problème. Lui ou elle touche son affiliation. Et toi, généralement, après, tu as une astuce bidon qui correspond un peu, tu vois, genre... Dans les casinos, quand on parlerait de martingale, c'est-à-dire que tu perds, tu mets le double, tu perds, enfin, les trucs, puis là, du coup, bah, toi, ça marche pas, tu perds tout, et puis, voilà. L'intérêt, c'est... Pour ça. Après, il y a eu d'autres cas où elles te disent, bah attends, tu m'envoies sur mon portefeuille et je gère pour toi et je te verse les intérêts. J'ai eu plusieurs sons de cloche de personnes qui l'ont fait. Ben ouais, on est con. Moi, je l'ai pas fait, je n'en avais pas et puis ça marchait pas. Et puis après, j'ai compris le truc. Mais qui l'ont fait et généralement, la meuf te donnait des intérêts en crypto régulièrement, comme ça et tout. Puisque comme tout bon Ponzi, je veux dire, si la meuf, tu lui donnes, je sais pas, 100 euros... et qu'elle te dit, je te donne, pas 1% par mois, ou 5% par mois, tu sais, genre 5% par mois, ça fait 5 euros par mois. Si la meuf, tous les 3 mois, elle te donne 15 euros, toi, t'es content comme un coq en pâte, et en fait, elle te rend ton argent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir gagné 100 euros, elle a gagné que 85, tu vois ce que je veux dire. Et après, l'intérêt, c'est que tout le monde se dit, bah attends, dans ce cas, mes 5 euros, tu les remets sur mon compte, au lieu d'avoir 5, j'ai 105, et on met sur moins d'argent, et l'argent, il grossit, puis après, tu vois, c'est bien, elle te donne... Là, c'est l'intérêt des escrocs, tu vois, comme ça. On m'a dit dernièrement qu'apparemment, certains, parce que bon, c'est devenu une escroquerie bien, ils créent des fausses plateformes, apparemment, des fausses plateformes d'investissement, ou pas de crypto, parce que généralement, les comptes, ils te font ouvrir un vrai compte crypto, parce qu'il faut bien que tu aies des vrais bitcoins, tu vois, ou des vrais Ethereum pour pouvoir l'envoyer. Mais qu'après, ils te les font envoyer sur des plateformes qui sont, elles, par contre, complètement bidons, tu vois, parce que je connais bien ça, truc, nanana, mets ton argent là-dessus, tu me fais un virement, ton argent, il est parti. Il est parti mon kiki, hein. Voilà. Mais il y a plusieurs trucs comme ça, et c'est là qu'on voit, on est quand même passé de... Parce que, bah, les escrocs, c'est des professionnels. On est quand même passé d'un truc un peu lambda. Oh, il est que 20, là, je me suis trompé, c'était de 20... Non, c'est GPT, ouais. On est quand même passé d'Africains un peu couillons, tu vois, qui te font... Ouais, j'en avais eu qu'un, la Française, là, qui était bloquée en Afrique, tu vois, au début. Ah, on peut s'appeler. Mais on peut s'appeler. Attends, là, c'est bien. Et t'appelles, et en fait, t'as Mouda ou t'as une espèce de Mamadou qui te parle, comme ça et tout. Alors, autant, tu vois, en Thaïlande, l'autre, elle te dit, oui, mais je comprends pas l'accent du Nord, du truc. Toi, tu vois pas la différence. Autant, sur un francophone... Tu sens bien si la meuf, elle est française avec un petit accent africain ou si elle est vraiment africaine de vrai, tu vois. Puis la meuf, elle décroche, elle sait même pas ce qui lui arrivait, tu vois. Elle dit, vas-y, décroche, et tout comme ça. Voilà. Moi, j'avais appelé avec Sky, comme ça, il n'y a pas de numéro surtaxé, tu sais ce que tu dépenses. Mais voilà, et on voit, voilà, on est quand même passé de ces petites arnaques au sentiment à des trucs vachement plus évolués où les mecs se sont dit, ouais, il faut qu'on fasse croire qu'on a de l'argent pour les mecs, pour les faire investir. Parce qu'après, le truc, il peut durer vachement longtemps. Hein. Elle te fait investir, par exemple, dans sa poche. Elle te rend un peu l'argent, tu vois. Donc forcément, je veux dire,
L'intérêt de ton investissement, c'est pas de récupérer, sauf si tu mets $1 million, mais si tu mets $1 million, je pense, elle te bloque. Mais si tu mets $1 million et que tu vides tes rentes, le but, c'est de monter, de faire un petit, de mettre un peu, de gagner de l'argent, de tout ça grossir pour arriver à un montant qui est sympa, et après d'être rentier. Mais entre ce moment-là, tu vois, un moment où ils te rendent un peu ton argent, et après, au moment où tu vas décaisser un peu, mais si tu décaisses tout, ah, ben, je mets 100, et après, quand j'ai récupéré, au pire, tu mets 100, et tu dis, ouais, je récupère 5 par mois, et comme ça, bah, dans 20 mois, je récupère mon argent. Au pire, elle te les rend ton argent, t'es content, tu dis, ouais, j'ai enfin récupéré mon argent. La fois d'après, tu mets plus, tu mets 200, 300, 500 balles, t'as confiance. Et là, pour eux, c'est intéressant de pas gagner au début, mais de gagner après. Comme tout bon escroquerie. Mais c'est là qu'on voit le truc commence à évoluer. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes, notamment avec ces histoires de crypto et tout. Alors si vous avez rencontré une jeune asiatique belle, qui est blindée, qui a des histoires incroyables, qui veut pas que vous vous appeliez parce qu'elle est terrorisée ou parce qu'elle a toujours des excuses, mais qui est blindée et qui est trop belle pour vous, qu'est-ce que les meufs blindées vont se faire chier qu'une relation en longue distance comme ça, elles vont t'inventer des histoires avec un mec qui est, je dirais, même si t'es aussi beau que moi, je dirais que ça, la meuf, en a branlé, elle est blindée, elle roule en bagnole la classe, elle est riche, ça va se faire chier qu'un mec qui est soit en France, soit en Thaïlande et tout, voilà. Il faut aussi raison garder, mais on veut y croire, je sais qu'il y en a un d'entre vous qui voulait y croire, mais moi je crois que l'arnaque a été quand même plutôt bien faite. Si vous avez déjà été victime de ça, vous avez déjà des histoires, n'hésitez pas à me dire un peu le schéma. Est-ce qu'elle était riche, pas riche, vous avez demandé de l'argent comme ça? Ça arrive, vous n'êtes pas obligé de vous dire si vous êtes fait niquer ou pas, ça c'est le principe. Mais moi, c'était un peu les histoires de comme ça, et on n'est jamais allé parce que moi je m'en bats les couilles, je veux dire, je suis à Pattaya, si compliquer la vie avec une meuf de Roucon et tout, soit elle vient et ça va être bien, si la meuf elle commence à t'embrayer, de gagner de l'argent, machin, qu'elle va venir ou pas, pas besoin comme ça. Et le problème de celle de Hong Kong, c'est que moi je dis, ah, t'es où à Hong Kong et tout Ah, je suis à Koh Lanta, Java, t'es où? Parce que moi, j'y allais, machin et tout. Alors, la meuf, elle commence à changer de sujet et tout. Elle dit, oh là, lui, il connaît vraiment l'endroit. J'ai fait des vidéos là-bas, j'ai des preuves, voilà. Bon, allez, il est 20 et je suis déjà 3 minutes de retard. On parle de ChatGPT qui est enfin évolué. Je vous rappelle, ChatGPT, intelligence artificielle, c'est un grand mot, on va dire. C'est un robot qui centralise plein de connaissances sur Internet. Il y a Mysteria qui a fait une bonne vidéo là-dessus, justement, aujourd'hui. Justement, il lui demandait des questions sur les pyramides, tout ça. Et c'est une grosse intelligence qui référence, mais l'intérêt, c'est que c'est un chatbot super évolué qui prend toutes les connaissances du web, presque, et qui est capable de donner des réponses à tout, à faire des phrases et à tenir une conversation. Donc c'est vrai que c'est un outil. On est loin de l'intelligence, parce que c'est loin d'être intelligent. C'est plutôt con comme ses pieds. Mais comme outil de travail, c'est incroyable. Et un des problèmes de ChatGPT, c'est qu'il n'était pas connecté au web. Et qu'il s'arrêtait en 2021, ce qui était sa base de données. Et on attendait, bien évidemment, pour tous ceux qui, comme moi, utilisaient la version plus, donc qui payaient pour une version plus, c'est-à-dire la version 4, plus rapide, qu'on était prioritaire sur les versions gratuites avec une version plus évoluée, on attendait les plugins gratuits. Puisque tu payes à la base, mais avec ça, tu as droit à des plugins gratuits. C'est gratuit dans la version payante, voilà. Il y a pas mal de modules qui sont intéressants, notamment le plugin pour connecter au web. Et là où on pourrait se dire, ça y est, ChatGPT est connecté au web, en fait, non. C'est un plugin qui permet à ChatGPT d'aller faire des requêtes au web. Alors, on ne sait pas à quel site il demande, d'où il se réfère, mais quand tu lui poses une question, il dit « je vais chercher sur le web », il scanne pas mal de pages, il les lit, il les comprend et il te régurgite plutôt un résumé de ce qu'il a lu par rapport aux news du jour, ou si tu lui demandes de faire un bilan, des choses comme ça, les derniers news du jour ou un match de foot, comme ça, il arrive à gérer, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de plugins qui sont plutôt sympas. Je crois que c'est Ludo, je sais plus quoi, qui fait des vidéos aussi, que j'aime bien regarder parce que il parle des plugins, il les teste. Il parle du plugin, c'est SEO, qui, tout compte fait, n'est pas vraiment un plugin SEO, qui est plutôt un plugin qui donne des prompts qualitatifs à ChatGPT. Ça veut dire qu'au lieu de toi mettre « je veux les... » Comme moi, j'ai fait un script vachement compliqué qui me plaît. Le truc de SEO, c'est un peu comme ça. Il y en a un qui est bien, qui lit les vidéos YouTube. C'est-à-dire que tu lui dis, va sur cette vidéo YouTube, il va la scanner, et comme en fait, vous avez vu, YouTube sait qu'il y a le texte, machin, comme ça, il va savoir tout le texte qui est dans la vidéo, et en fait, en fonction de ça, tu pourras lui poser des questions, soit sur la vidéo, soit lui demander de faire un résumé, des choses comme ça. Ce qui peut être vachement intéressant, et on a essayé ça avec Nico pour la version de legeek.tv, parce qu'on s'est dit, tiens, ça pourrait être bien de prendre des vidéos comme ça, comme j'en parle, mais de demander à ChatGPT de me faire un résumé ou une description de cette vidéo.
pour me faire un article complet qui parle de la vidéo, pour faire des articles sur legeek.tv. Bon, pour l'instant, c'est pas mal, mais tout ça reste en version bêta, c'est les débuts, et c'est pas ultra fiable et ultra automatisé, mais c'est le début d'une opportunité qui est très très bonne, notamment pour legeek.tv, si après on peut, soit avec AutoGPT, soit avec ChatGPT, automatiser tout ça, c'est-à-dire on lui donne l'URL, bim badaboum, après en fonction de ça, il nous sort un nouveau titre, une description de la vidéo, soit il la reprend, mais surtout une description de vidéo qui reprend tout ce qu'il y a dans la vidéo. Par exemple, tu peux demander de faire un timer, je prends cette vidéo, je vais dire fais-moi un timer par rapport aux étapes importantes, il pourrait le reprendre avec des points et tout comme ça. Ça permettrait d'apporter du contenu à legeek.tv où la fonction un peu, comme j'en ai parlé la dernière fois, ou pas vraiment, que je voulais faire un espèce d'auto-surf YouTube. C'est compliqué à mettre en place en attendant, parce que même les auto-GPT pour l'instant, ou agents GPT, ils ont un peu de mal. Mais là, faire un truc avec des vidéos, il y a quand même beaucoup plus d'opportunités. Il y a un nouveau plugin qui permet de lire le texte. Voilà, avec un truc qui est dedans, ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'était quand même plutôt pas mal. Comment ça s'appelait? Je l'avais noté peut-être sur un bout de feuille. Pas du tout. Ça permet de lire le texte, un peu comme je fais avec ma voix anglaise avec Jane. Là, c'est un autre logiciel qui est gratuit, mais inclus dans ChatGPT, on est d'accord, qui va permettre de lire ton texte en vocal. Alors, soit tu mets par défaut et ça te fait une voix d'homme, et après, en lui demandant, parce que je suis allé voir sur leur site, on voit qu'il y a plein de langues, et là, toi, tu demandes au logiciel, tu dis, il y a quoi comme langue féminine ou masculine? Et là, il te sort en anglais, en allemand, en français, voilà, il a... tel mec, la voix d'homme, c'est Marie-Chantal pour la femme, et pour l'homme, c'est, tu vois, il te donne toutes les voix comme ça, et par exemple, tu peux lui faire demander, tu dis, voilà, ce texte, tu me le lis avec la voix française, nanana, donc là, il va te le lire. C'est plutôt pas mal, dans un premier temps, c'est pas aussi bien que celui que j'utilise pour Jane, mais ça lit mieux en français, et c'est gratuit, c'est inclus dans ChatGPT, tu vois, j'ai pas besoin, l'autre, je paye $5 par mois, mais ça va pas suffire. Je fais tellement de vidéos que je vais être obligé de passer sur la formule à $20 par mois. Mais le texte, il est quand même plutôt propre, il y a l'intonation et tout. À voir si ouin-ouin, elle peut faire la même chose, mais maintenant, ça m'embête de changer la voix en anglais, puisque très peu d'abonnés, mais voilà, peut-être les mecs sont habitués à la voix, et que si je change la voix, ça va les perturber, un peu comme dans Automoto Express, là, sur YouTube, un jour, ils nous changent la voix, que c'est plus la même. Voilà, j'étais à la limite de l'épilepsie. Bon. Et chose plutôt intéressant, tu peux lui mettre un texte en français, en anglais, en italien, et lui dire « lis-moi ça avec la voix masculine ou féminine en français, en anglais, en italien ». Sachez qu'il y a également une voix thaïlandaise. Oui, ce qui voudrait dire que... Alors, ChatGPT n'est pas capable de traduire mon texte en thaïlandais, pour le moment. Google le fait très bien, Deep machin le fait très bien. Ce qui voudrait dire, pour moi, dans un futur alternatif, évidemment, que je pourrais mes vidéos ou faire une chaîne avec mes vidéos par exemple en short, mes vidéos short que je fais en français sur JT Geek le blog et en anglais par exemple sur TikTok, les faire aussi en thaï sur une chaîne thaïlandaise, donc une chaîne YouTube thaïlandaise où il pourrait y avoir mes reviews avec une voix d'une meuf qui parle thaï, là où je pensais embaucher une meuf qu'elle vienne juste pour lire, mais après juste en freelance, mais après c'est pas facile de faire lire des trucs, et après c'est juste pour faire des shorts, c'est quand même compliqué de payer une meuf juste pour lire un truc d'une minute, c'est tout est rock'n'roll, tu vois. Alors là tu mets dans le machin, tu fais lis-moi en thaï, après il suffit de mettre les plans par dessus parce que c'est un short d'une minute, et on se retrouverait, pour moi dans mon cas, avec une chaîne YouTube ou TikTok en thaïlandais. Voilà. Donc ça ouvre, toi, tu te dis, oula, ouais, ça ouvre pas mal de possibilités. Vous voyez, j'avais. Et c'est là où on voit que c'est intéressant de mettre les mains dedans tout de suite. Puisque j'ai déjà mis les mains dedans. Je le fais en français, je le fais en anglais, je le fais pour ceux qui reçoivent sur Tipeee. Vous avez vu, il y a du short, il y a une version 4K short, il y a une version format portrait. J'essaie de faire pas mal de formats pour mettre. Presque la même review, mais des reviews un peu différentes sur plusieurs chaînes pour taper encore plus large, parce que du coup, le maillage interne, même chez YouTube, fait que de dire qu'il y a cette vidéo-là et que la vidéo longue, elle est là et tout, ça fait du maillage interne et YouTube aime beaucoup, puisque YouTube, ça reste du Google et Google, ça reste du maillage interne et du SEO. Donc, je me dis, oula, ça ouvre la possibilité, on a déjà français et anglais. Ça pourrait être vachement intéressant de le faire en thaïlandais, puisque je suis en Thaïlande. Voilà. Le faire en chinois, non, parce que c'est compliqué de le mettre sur UQ ou des choses comme ça. Mais, à ne pas confondre avec YouPorn.
Mais ça ouvre pas mal de possibilités et pour moi, ça m'intéresse plutôt pas mal de beaucoup de faire ça aussi là-dessus. On parlera également de l'application. Alors, il y a une application. Alors, il y a plein d'applications qui se font passer pour ChatGPT sur Android et iOS. Il n'y en a aucune qui est vraie. C'est toujours des machins qui récupèrent les clés API. Nanana. Bon, ça arrête. Et il y a enfin officiellement un ChatGPT iOS, uniquement pour iOS, qui est disponible aux États-Unis. Donc, il faut être logé aux États-Unis. Donc, attention, ne changez pas la langue de votre iPhone. Parce que vous allez perdre tous vos abonnements, parce qu'ils vont recréer un autre, parce qu'ils vont changer de Play Store. Mais ça veut dire que ça arrive, c'est quand même plutôt pas mal. Et une news qui était intéressante, que j'ai relevé sur JT Geek, c'est que Apple a interdit à ses employés d'installer ça, parce qu'évidemment, ils ne savent pas où partent les données des employés quand ils leur posent des questions, tu sais, genre, ouais, est-ce qu'une caméra, c'est bien, tu vois, ils leur posent des questions sur les nouveaux produits, ils ne savent pas où partent les données, donc ils ont interdit aux employés d'installer, ils ont interdit aux employés d'Apple d'installer ChatGPT, alors que ChatGPT n'est disponible que sur les téléphones Apple. Voilà, c'était la news plutôt rigolote, qui te fera rigoloterai ou pas trop. Voilà. Et je suis déjà vachement en retard. Après, je lis vos commentaires. Hein, si vous allez, n'hésitez pas à mettre un commentaire un peu explicite parce que moi, je fais le truc là. Vous voyez, 10 minutes, ça suffit pas. Va falloir passer à 15 minutes. Je fais le taf et on parle des films et séries télé. Et après, je lis tous vos commentaires par ordre d'arrivée, prioritairement au super chat. Et que là, si vous me parlez des arnaques ou de ChatGPT, ou c'est des questions, des remarques, des suggestions, c'est le moment ou jamais. Cette semaine, il y avait donc, j'ai regardé The Big Door Prize. Alors, j'avais regardé celui de la semaine dernière, puisqu'il y avait trop rien à la télé. J'ai regardé. Et là, cette semaine, il y avait donc le dernier épisode de la saison 1. Et chose qui est assez intéressante sur cette série télé qui est nulle. Et qu'elle est basée par rapport à un livre. Donc, si c'est basé par rapport à un livre, on sait qu'il va y avoir un début et une fin. La première saison se finit toujours un peu en mode loufoque et tout, mais on en apprend beaucoup plus sur la machine, notamment avec l'appareil qui fait du bruit et tout. C'est la fin était pas trop mal quand même. Tu vois, la fin te donne envie de regarder la saison 2. Bon, si t'as l'abonnement que tu regardes, ça va. Sinon, est-ce que ça vaut le coup de la télécharger, tout ça? Je dirais non. Citadel, alors la semaine dernière pareil, il n'y avait rien à la télé, donc j'ai regardé un peu l'épisode de Citadel qui restait. J'ai regardé le dernier l'épisode qui est disponible cette semaine, là à l'instant avant de faire le live. Cette série, elle est incroyablement mauvaise, c'est incroyable. Je sais pas comment ils ont pu faire un truc aussi naze. Alors, bien évidemment, quelque chose que, et vous allez me dire si ma théorie est bonne, toute la série vous narre qu'il y a un méchant, un rebelle et un traître, bien évidemment. La série vous oriente bien évidemment sur la meuf, puisque c'est la méchante, alors que bien évidemment, plus tu regardes la série, plus tu te dis, mais évidemment, qui est le traître dans l'histoire? C'est toujours Kaiser Soze. Kaiser Soze, vous l'avez la référence. Et qui est le Kaiser Soze de cette histoire? Eh bien, c'est la Mésique, bien évidemment. Le gentil, tout beau, nanana, qui a perdu la mémoire, et c'est lui le traître, bien évidemment. Donc bon, bah, je pense que la série va nous emmener là-dessus, tout doucement. Tout le monde, il nous faut penser que c'est elle, après que c'est un autre, et celui à qui on pense pas du tout, c'est lui, parce qu'il est amnésique, il se rappelle pas, nanana. Et tout le monde croit que c'est elle, et tout le monde dit que c'est elle, et tout, alors que non. Il y a des indices qui montrent bien quand il va, je sais pas, il va voir un autre gars, là, je sais pas, il dit, il va voir un autre gars, puis à un moment, l'autre gars, il dit, oui, c'est elle la traître, nanana, alors en fait, c'est lui, le traître, bien évidemment. Donc, je pense que la série va nous emmener là-dessus, mais c'est nul, là, ils nous sortent un gamin du chapeau et tout, enfin, ils prévoient tout et tout, qu'est-ce que c'est long, je peux pas dire que c'est mal joué, les acteurs sont pas mauvais, mais, ah, les séries, je t'aime et tu m'aimes pas, mais en fait, tu t'aimes pas toi-même et tout, oh, qu'est-ce que c'est mauvais. Mon Dieu, alors je pense beaucoup vous regarder parce que c'est inclus dans Amazon, mais c'est nul pour de vrai. Cette semaine, il y avait également Silo, l'histoire. Alors, Silo, ça a bien commencé, hein, les gens qui sont enfermés dans un silo. Alors c'est vrai qu'à un moment, quand il y a eu la coupure du moteur, les gens ont bien vu sur l'écran que l'extérieur, c'était pas ce qui nous était donné, mais c'est quand même très très coloré, donc c'est quand même assez bizarre. L'autre qui est sorti, ah, c'est la vérité, mais on sait pas. On sait rien, et là, bah, on est parti sur un autre délire. Là. Le début, ils t'ont accroché avec ça, là, c'est le délire, le silo, le L, au début, elle devait savoir la vérité que le disque dur, nanana, et bah là, c'est fini, maintenant, c'est la conspiration, qui a tué qui, nanana, bon, ça va tirer en longueur, cette histoire, hein, de ouf, quoi.
Bon, je regarderai comme ça, mais moi, ça me saoule. Déjà, j'ai putain, casse les couilles. Alors, heureusement, c'est tiré d'un livre, donc ça va être forcément plutôt pas mal. Disponible également sur Internet depuis cette semaine, Mario, le film. Voilà. Alors, je l'ai pris comme tout le monde, je pense, parce que je suis pas allé le voir au cinéma, parce qu'ici, je suis même pas sûr qu'il y soit ici au cinéma, parce que ça veut dire en anglais et tout machin. Je me suis dit, je vais commencer à regarder ça. Bon, le problème, c'est que dès le début, c'est pas ma came. C'est très fan service, encore une fois. Dès le début, les plombiers, le chien, nanana. C'est autant les mignons, la patte, tu vois. Autant là, la même délire, mec, Mario et tout. J'ai pas. Je me suis arrêté où la salle de bain explose, nanana, le chien saute dehors, il le récupère, je sais pas. Après, non, j'ai dit, c'est pas ma came. C'est peut-être trop fan service pour moi. Peut-être je regarderai plus tard. Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'Ultimate Fighting. C'était pas le meilleur. C'était un Las Vegas. Mais bon, voilà, après. Et je vais finir donc mon interlude, qui aura quand même duré 40 minutes sur un rythme endiablé, par ma nouvelle chaîne YouTube préférée. Voilà. Toutes les semaines, j'ai envie de vous faire découvrir une chaîne YouTube que j'ai découvert comme ça, par hasard, d'une recommandation YouTube. Et cette semaine, c'est L'étrange voyage. Ah, si vous aimez un peu Fil Dup, vous savez, les histoires un peu d'Internet, de YouTube, les mystères, les comment c'est les ARG, les choses comme ça et tout. Cette chaîne, elle est incroyable. Alors, le problème, c'est que j'ai commencé par les plus récentes et je commence à remonter là. Et on voit que le mec cherchait le concept. En fait, ces deux personnages, lui, quand il présente ça, c'est deux personnages. Alors, si moi, comme ça m'a fait rigoler, c'était toujours moi et mon ego, une des blagues que j'ai fait toujours lui, c'est lui et Alter. Alter. Donc c'est deux fois lui, mais une fois il a un bonnet. Dans les derniers, il a un bonnet, et dans l'autre, il n'a pas le bonnet sur un fond noir, c'est bien fait. Sur les premières, à un moment, il a des voix un peu sataniques, avec une vision rouge. On voit qu'il cherchait le format. Là, le format, il est arrivé bien sur les dernières. Il parle d'histoire d'Internet, c'est super bien fait. C'est super bien monté. C'est super bien narré, super bien rythmé. C'est un régal. C'est un régal. Je vous invite vraiment à regarder la dernière, là. Daniel Larson, je crois que j'en ai parlé sur jeuxdegeek.tv. L'un des plus grands mystères de TikTok, ça c'est incroyable aussi. L'histoire de Welcome Home, c'est trop bien aussi. Bon, le truc du jeu vidéo, là j'ai regardé ça aujourd'hui, c'était pas moi, c'était plus ancien, mais c'était bien aussi. Mais voilà, plein de mystères. Il y en a un avec l'ARG, là, les trois ARG, les maîtres d'ARG qui ont fait ça pendant le Covid et tout. C'est trop bien. Les derniers sont trop bien. Il a trouvé son style. En plus, il n'a pas la même voix. Enfin, c'est lui. On voit bien que c'est lui, mais il n'a pas la même voix. C'est pas le même personnage. Il interagit avec lui-même et tout. C'est super bien monté. Il y a des effets visuels. Il y a des petits trucs pendant les images et tout. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et il mérite de la force. Donc, si vous avez YouTube, n'hésitez pas à aller sur L'étrange voyage. Je mets mon like à chaque fois. Je suis pas encore allé mettre des commentaires, mais je vais y aller pour lui donner de la force parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Les reportages sont captivants. Vous allez rester votre chaise si vous aimez un peu Fil Dup et tout comme ça. C'est trop bien. Les derniers sont vraiment. Moi, j'ai kiffé ma race. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous donne cette chaîne YouTube. C'est ma chaîne préférée de la semaine. Et je pense que toutes les semaines, j'essaierai de vous partager un peu des choses comme ça que je découvre sur Internet, puisque je suis un gros consommateur. Comme j'ai pas la télé, je suis un gros consommateur d'Internet. Bah, non, j'ai Netflix. Merci à beau papa. J'ai Amazon Prime. Merci à beau papa. J'ai Apple TV. Merci à Apple TV de m'avoir offert pendant 3 mois. Après, pour le reste, je suis un peu pingre et j'ai torrent. J'ai IVC VPN pour 10 ans. Non, mais voilà, vous aurez compris un peu le délire. Allez, on prend un peu les commentaires. Je remonte un peu le fil du chat. Vous êtes quand même 17 en ligne. C'est le moment de me poser vos questions, tout ça, et puis je pense qu'on va arriver jusqu'au bout de la nuit. Ah oui, il y en a beaucoup qui me posaient la question pour l'affiliation, pour les montres, parce que ah, je clique dessus, je vais l'acheter, j'espère que tu as de l'affiliation. Alors, souvent, non. Je vous rappelle, moi, je demande de l'argent à la marque pour faire la review, ça correspond aux frais de mise en place, nanana, la vidéo, les réseaux sociaux, et le JT Geek, je prends mon billet. Après, des fois, ils me laissent mettre un lien d'affiliation, tant mieux, mais souvent, ils mettent leur lien eux parce qu'ils veulent savoir s'ils vendent ou pas. Donc, bien évidemment, la vidéo est faite pour que, bah, si le produit me plaît, bah, que vous en achetiez et que vous puissiez en vendre, comme ça, ils sont contents. Des fois, ils me disent, ah, on n'a pas vendu beaucoup, on pensait que... Ben, ouais, enfin, bon, ça, c'est pas mon problème. Ils vont ailleurs et après ils reviennent me voir en disant oh, mais tout compte fait, on va refaire avec vous parce que c'était pas si mal que ça. Les autres font pas mieux non plus. Donc, bah, cliquez sur les liens, ça fait plaisir au moins à la marque. Et des fois j'ai de l'affiliation. Après, c'est des bouts de centimes, encore une fois.
Amazon, je crois que ça doit être 100, une centaine d'euros d'affiliation par mois, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Alors des fois, on vend des aspirateurs, on prend 25 balles, tu vois, des Dreamy, machin, des vieux, on prend 25 balles, mais souvent, c'est des petits machins, l'affiliation, elle est minable, c'est 1%, enfin bon, voilà. Donc, cliquez, achetez, mais voilà, on peut pas gagner tout le temps, tous les coups. Alors, attends, nanana, merci pour l'info. Alors, merci pour le tips de Fredo, le seul et unique tips de la soirée, hein. Encore une fois, enfin bon, après... On n'est pas là que pour l'argent, on est là pour le plaisir aussi. Et l'argent. Donc là, je l'ai vu parce qu'en fait, moi, je mets le screenshot. Et en fait, sur le screenshot, il y a déjà Tipeee qui est affiché. Et je vois mon écran comme ça. Et quand tu as fait le tips, et ben du coup, j'ai eu le musique de Rocky, le truc qui s'est affiché, marqué Tipeee. Voilà. Alors, ceux qui veulent faire un Tipeee, vous verrez, ça fonctionne très bien. L'inspecteur en attente. Alors, un Fredo. Lolo, bonjour à Lolo. Lolo, Sébastien, je suis en plein réglage de mon vidéoprojecteur. Bah écoute, bon courage. On avait une marque qui vient m'en envoyer un. Hein. J'en ai deux, un ou deux, je crois. J'en ai un très cher, mais il était tellement cher leur truc que quasiment il fallait que je les suce là pour l'avoir. Et je leur renvoie. Et toi, j'ai dit, ça va, je reçois des trucs. Déjà, maintenant, t'as envie de leur dire des trucs à 2-3 000 balles. J'en ai des fois, tu vois. Les glaciers, les trottinettes, ça vaut de l'argent aussi, toi. Les marques ne cassent pas les couilles, quoi. Le projecteur, il vaut 2 000 balles. Oui. Et après, quand c'est pas cher, là, ouais, mais le projecteur, il est pas cher. Il faut qu'on paye, il faut qu'on l'envoie là-bas. Écoute, hein, fais ta vie, va chez les autres, va essayer les reviews chez les autres, et puis tu verras si c'est mieux. Hein. Envoyer en France ou pas. Ouh, il y a beaucoup de commentaires. Bonjour à TMJ, qui est ami youtubeur. Il y a des nouveaux modos. Ben ouais, hein, ben ouais, parce que Shadow, il nous fait FOMO. On est obligé de recruter, hein. TMJ, oui, il me semble, mais il y a longtemps hein, que TMJ, il était... ou la semaine dernière, quand tu n'étais pas là. Je sais plus. Ah, mais des fois, on fait des promotions comme ça. Voilà, il y a plus. Bon, il y a plus de modérateurs que de viewers, mais bon, apparemment, vous le méritez bien. Voilà. Là, je veux dire, si le hater, s'il arrive à passer à travers, il est fort. Et Modo, je reste votre boss. Ah oui, bah, il est super Modo, Shadow, hein, quand même. Attention. Oui, deviens instigateur de l'aventure. Donc là, c'est pour Tipeee. Merci à Shadow. Bonjour à Guillaume. Bonjour à Sixshoot. Hello, Greg. Où est passé le t-shirt avec les tipeurs du mois dernier? Il est parti au lavage. J'ai les récupéré et il faut que je le récupère. Mais là, il faut que je fasse le. Je voulais faire le nouveau et tout, mais je te cache pas que ma semaine a été rythmée. En plus, je vais faire. En fait, il a fallu que je fasse refaire mon passeport. Et là, après, donc j'ai contacté Elite parce qu'il faut que j'ai un nouveau visa. Ils m'ont dit pas de problème, mais il faut aller à l'immigration. Qu'est-ce qu'il faut aller m'envoyer à l'immigration? Il faut aller à l'immigration pour mettre votre tampon, tu sais, comme quoi j'ai un visa d'un an sur le nouveau passeport. Donc là, je suis allé, tu vois, je perds une demi-journée à chaque fois. Je vais, et là, tu me dis, non, mais il faut une lettre de l'ambassade, comme quoi, tu sais, ils ont fait un nouveau passeport. Je sais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le mec, il me fait voir une photo d'un mec qui en a envoyé un, là, voilà. J'entends à la maison, j'écris à l'ambassade, tu vois. Je dis, ah, il me faudrait ça. Non, mais non, depuis 2023, on a fait un mail à tout le monde, il n'y a plus besoin d'envoyer ça. Et je regardais bien sur le papier que le mec m'a envoyé la photo du truc, c'était 2022. Donc, retourne l'immigration. Et là, je me suis dit, je vais être malin. Un, je vais imprimer le mail de l'ambassade qui dit qu'il n'y a plus besoin, traduit en anglais. Et deux, j'avais la quittance de... Comme quoi, j'ai fait mon nouveau passeport, avec marqué ambassade de France, en français et tout. J'ai fait une photocopie de ça. Oh, le mec, il a pris les trucs. Alors, tu perds une heure, hein, à prendre le ticket, remplir le machin et tout. Après, la première fois, j'arrive, on me dit, oh, il faut une feuille, nanana. On me donne une feuille, truc, hein, faut remplir ça et tout. Donc, j'arrive... au guichet, puis la meuf, je dis, oh là, vous n'avez pas un crayon? Elle fait non. Merde, pas de crayon, d'accord. Donc de là, je ressors, je vais acheter un crayon. Il y a un mec dehors qui vend des crayons. Acheter un crayon, remplir le truc et tout. Après, t'arrives, il faut une photocopie. Tu vas, tu refais une photocopie, tu reviens et tout. Voilà. Et pour venir, donc je suis retourné vendredi, je crois. Donc je donne tous les papiers, il a vu la quittance de l'ambassade, machin, il m'a dit, c'est bon, revenez lundi 13h. Je retourne encore lundi 13h. Mais voilà, j'ai une vie incroyable. Plus les reviews, plus le boulot. Donc, j'ai pas eu le temps de remettre le t-shirt ni de faire le nouveau. Il s'en excuse, il le fera. Je m'en fous. Non, mais là, en même temps, ouais, putain, mais après le mois prochain, je pas. Ouais, mais là, si je fais. C'est avril, là. Marc ou mai, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ça va être les mêmes. Je ferai avril et au mois de mai, de toute façon, c'est les mêmes qu'au mois d'avril. Avril, mai. Je mettrai avril et mai sur le t-shirt.
Donc il est propre, ça y est, il est propre, il est là, il faut juste que je le remette. Vision, non, chaîne, non. Vous êtes nombreux à la présenter, cette glacière. Peut-être, ouais. Bah, je pense qu'on doit pas être là. Alors, beaucoup de YouTubers, elle leur a proposé de leur envoyer en. Au début, c'était gratuit contre le produit, quoi. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pas eu la tondeuse. Moi, ça m'étonne qu'elle ait payé Jojol 10 000 balles. Soit Jojol, il a pris la tondeuse parce que ça vaut de l'argent. Soit c'est le seul qu'elle a payé beaucoup. Généralement, c'est tondeuse gratuite en échange du produit et tout. Rien du tout. La clim, elle est là. La glacière, elle est là-bas. Moi, c'est pas. On leur fait un prix d'enfer, tu vois. Mais on leur fait un prix. Rien à foutre. Et puis en plus, elle n'a pas payé. Elle ne peut pas payer. Là, elle va payer peut-être lundi. C'est un problème avec la compte. C'est vraiment de la merde, ces grosses boîtes. Elle me dit, ah, mais confiance. Voilà, quand je mets la vidéo en ligne, elle me dit, je vous paye mercredi. Je mets la vidéo en ligne lundi. Mercredi, j'ai alors, ah, mais un problème de comptabilité, pas avant lundi, mais on va payer, vous inquiétez pas. Je dis, ouais, mais enfin bon, c'est pas la peine de nous faire. Ils nous font des contrats avec 6 pages qui demandent tous les mentions de trucs, de machin, de trucs, qui te font signer, que tu leur envoies, qui signent, qui te renvoient pour valider la vidéo, et eux, ils respectent pas les conditions. Je vois pas l'intérêt, hein, de faire chier comme ça. Soit ils te disent, bah, de toute façon, on vous paiera plus tard, parce que le produit vaut 2 000 balles, donc dans tous les cas, on vous paiera, toi, comme Insta, quoi. Alors, on paye à 30 jours, voilà, après, tu le sais, tu dis tant pis, quoi. Mais j'imagine s'il faut courir derrière tous les trucs. Je sais pas comment on fait Ouin là. Avis Express. Il fait une review tous les. Parce que la fois, je regardais, il a fait la glacière ou la tondeuse, je crois. Il fait une review tous les 3 jours. Déjà, je sais pas comment il fait pour faire une review tous les 3 jours. Et après, je sais pas comment il fait pour gérer tous les mecs et tout, parce que ça doit être l'enfer. Ou alors, il bosse en échange des produits. Je sais pas comment il gère. Mais bon. Ou alors, sa femme, elle fait ça, parce que je me trouve une femme pour faire la secrétaire. 1 000 euros un AGM. Alors, non. Ben non. Ben non. Remarque de haters. 1 000 euros un AGM. Autant prendre un Samsung ou un Xiaomi. Non. Bien sûr que non. On a un téléphone avec une caméra thermique qui est capable de taper jusqu'à 500 mètres. IP68, IP69, c'est pas la même cible. C'est pas la même cible, ce truc. Et il a la lampe torche et tout, au-dessus et tout. Un téléphone avec une caméra thermique de cette résolution-là, qui peut prendre entre 2 et 8 mètres un produit chaud ou froid et tout, il y a très très peu de modèles. Donc les gens qui vont mettre 1 000 euros là-dedans, c'est des gens qui cherchent ce genre de téléphone-là. Donc du coup, un Samsung ou un Xiaomi, ils prendront pas. Parce que j'ai bien dit au début qu'il y a une caméra thermique de la mort qui tue, là. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même cible. Donc, après, le mec, il dit, ah, c'est exactement ça qu'il me faut, il les mettra les 1 000 balles. Après, le mec, il veut un Samsung ou un Xiaomi, c'est pas du tout le genre de délire qu'il lui faudra. Mais moi, je m'en fous, j'ai pris mon billet, et je fais la review, et s'il vaut 1 000 balles, j'aimerais bien le revendre au moins 300 balles. Ça va être compliqué. TMJ, une voiture électrique en juillet. En échange de 5 reviews quand même, hein. Ouais. Et ouais, on n'a rien sans rien. On en parlera. En temps et en heure. Parce que là, pour l'instant, elle n'est pas encore distribuée ici, mais bientôt, et peut-être. Ou pas. Ou peut-être, ça va être un tuk-tuk électrique. On verra. ChatGPT, ces outils gratuits, dispo. Alors ça, on en a parlé juste à l'instant. Les outils sont gratuits, mais il faut prendre la version payante. C'est-à-dire que tu as la version payante et dedans, tu as des outils gratuits, alors qu'ils ne te facturent pas les outils en plus. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a des choses intéressantes. Tout ne sert pas. Beaucoup de choses sont en bêta. Mais il y a des choses intéressantes, notamment la voix, la lecture des scripts et tout. On en a parlé. Moi, j'ai plein d'opportunités là-dessus. Le pouvoir du short de WTS et JT Geek le blog. Alors, sur JT Geek le blog, les vidéos marchent mieux en short qu'en vidéo normale. Je faisais des vidéos, je les mettais dedans, les vidéos marchaient pas trop. En short, le pouvoir du short fait que YouTube, quand tu mets une vidéo en format short, YouTube te donne une chance sur. Il met la vidéo à disposition, genre pour en 20, 30, 50 vues, et il regarde le nombre de personnes qui la regardent. Si tu as plus de 25% de personnes qui la regardent en entier, soit une minute, il te remet une saucée. Si tu as moins de personnes ça, eh ben il l'enlève. Maintenant, je crois que c'est un peu plus que ça en fonction du nombre de vidéos que tu mets. Mais il te donne ça. Sur WTS, pas mal. On a pris 30 ou 40 abonnés, je crois, le mois dernier, alors que les vidéos WTS ne prenaient plus d'abonnés. On en prenait de temps en temps comme ça, mais c'était surtout les aficionados qui regardaient et pas trop de nouveaux. L'intérêt avec les formats short, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux et on prend un abonné par jour. C'est pas beaucoup, mais un par jour, 360 par an. Et puis, on a toujours espoir qu'un jour, la machine s'emballe.
Hein, à force de faire beaucoup de shorts et de faire une vidéo tous les dimanches, ça permet de faire un format qui est vachement différent. Et je vais commencer un nouveau format short sur WTS qui sera les produits, je vais dire les produits locaux, mais les produits 7-Eleven. Cette fois, je me suis dit, tiens, je vais acheter du café. C'est un peu pingre. J'ai acheté du café au 7-Eleven. Il y avait plein de marques, il y avait marque Amazon, des marques, ah, tiens. Et puis il y a eu du Coca, édition limitée et tout. Je serais bien des trucs comme ça. Et vous les présenter en disant, voilà, des boissons qui sont disponibles en Thaïlande. On commencerait par des boissons et après ça pourrait être de la bouffe qu'on achète là-bas. Allez, il y a ça qui est disponible en Thaïlande, dans le 7-Eleven et tout. C'est pas pour ça de faire des petites vidéos short sur des produits locaux. Et à mon avis, c'est des choses qui peuvent marcher sur au format short. Donc ça prouve bien que ouais, il y a un potentiel avec le short. Alors je fais pas autant de vues que je voudrais, mais bon, il y a des vidéos qui marchent fort. La tour de Pise, je crois, machin, dans le centre commercial et tout. Il y a des vidéos qui marchent pas. Il y a des vidéos qui marchent pas beaucoup du tout. Mais de temps en temps, il y a des miracles. Et on prend quelques petits abonnés comme ça. Donc ça fait plaisir. Donc oui, je pense qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui avec le short qu'avec des reviews. Prenez mes reviews en anglais. J'en mets. On prend pas d'abonnés du tout. Mais pas. Voilà. Alors que les shorts, eh ben, YouTube te donne plus ta chance. On doit être moins perdu que dans le paysage YouTube. La vidéo s'est mise en mode bientôt on va se coucher. Donc je n'ai plus le. Voilà. En tout cas, je devrais avoir le téléphone qui s'allume. Faut me les passer, les brouteurs. Je m'occupe d'eux. Alors là, bon là, c'est plutôt des brouteurs. Maintenant, c'est brouteurs plutôt version asiatique. Hein. Donc. C'est plutôt des Asiatiques ou des Cambodgiens, des je sais pas trop d'où ils sont, mais c'est un autre délire, c'est un autre level de broutage et tout. C'est assez intéressant dans le compte en tant que quand t'en es pas victime, que tu es plus le reporter, analyser le truc comme ça, c'est intéressant. Après, je comprends quand on est victime, ça l'est un peu moins. Greg Torito, ça fait pas mal aussi. Va falloir investir dans la cage, ben oui, Toretto, bien évidemment. Fast and Furious, ou voilà. Vin Diesel s'appelle Toretto et il n'a pas d'amis, il a une famille. Voilà. Petite dédicace au milieu comme ça, ceux qui l'auront diront tout de suite et les autres sont encore en train de chercher. Comme un coq en pâte, par exemple. Africain, il y a encore. À l'heure où je parle, j'en ai infecté trois. Oui, c'est ça. Bah, après, tu t'étais. Tu bossais un peu avec Sandos, enfin, tu bossais. Tu travaillais pour lui, ou tu faisais le boulot pour lui, ou tu étais volontaire. T'aimes bien être volontaire, ça fait plaisir. Voilà. Mais là, ces versions asiatiques, crypto et tout, on sent, voilà, on dit, ouais, tout de suite, ça a évolué pas mal. C'est assez intéressant. En plus, ça parle super bien anglais et tout, tu sais. Du coup, comme elles te disent, oui, je suis en Malaisie ou à Hong Kong, c'est cohérent qu'elles parlent super bien anglais et tout. Le niveau est pas du tout le même, tu vois. Après, encore une fois, comme dans toute bonne escroquerie, les mecs cherchent un peu les potentiels. Ah, c'est pas bien. Pédagogie, c'est de l'argent gaspillé un peu, non. Non, parce que tu l'utilises comme un outil, c'est du temps de gagner. Moi, par exemple, je fais ma vidéo en français. On a déjà parlé. De là, je dis maintenant, voilà mon script, voilà les plans que j'ai fait du produit, par exemple du téléphone, la caméra, nanana, un petit bilan. Fais-moi un script d'une vidéo en anglais. Il me fait le truc. Après, je fais dans une autre intelligence artificielle, je dis, vas-y, lis-moi ça en anglais. Pas mal. Ensuite, je lui dis, hey, avec tout ça, maintenant que tu connais le produit, tu me fais un article JT Geek et le geek.tv. Deux titres différents, JT Geek, un article de 400 mots, le geek.tv, un article de 200 mots. Tiens, fais-moi aussi une petite description courte, trois hashtags et 10 mots-clés séparés par une virgule. Donc, elle me fait mon titre, ma description, tout ça comme ça. Après, je lui dis, fais-moi une version short d'une minute en français, nanana, pour GLG vidéo. Hop, elle fait, fais-moi un titre et une description pour GLG vidéo. Fais-moi la même chose pour Le Geek, le blog. Et fais-moi également une version en anglaise pour TikTok. Elle fait. Donc, du coup, en fait, ça, c'est juste des prompts que j'ai fait une fois. Et à chaque fois, moi, je suis capable de sortir aujourd'hui 5 vidéos en 2 heures. Une fois que j'ai fait ma vidéo en français, les autres tombent en 2 heures avec les scripts où j'ai les descriptions, j'ai des titres, j'ai des descriptions, j'ai les hashtags, j'ai les mots-clés, j'ai mes articles JT Geek, mes articles legeek.tv. C'est un outil, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'intérêt d'avoir un outil. Alors la version 3.5 le fait, mais le fait moins bien. Mais je suis vachement plus productif et aujourd'hui, je me dis, tiens, si je veux lancer une chaîne, par exemple, en thaïlandais, je pourrais faire mon script, dire ah, fais-moi un script d'une minute, donc je prendrai le même qu'en français et en anglais.
je prendrais Deep machin ou Translate, j'y traduis-moi ça en thaï, et l'intelligence artificielle, je dirais, vas-y, maintenant, fais-moi un fichier audio, il me fera un fichier audio. Donc, il faut vraiment voir ça comme un outil où soit tu seras beaucoup plus productif, et c'est le cas de mon cas, où du coup, bah, je vais pas dire que je travaille plus, mais je fais beaucoup plus de trucs en moins de temps. Article JT Geek pour faire les codes, demain, je prépare un article sur la BYD Atto 3 version extrême. Parce qu'il y a un kit carrosserie sur les magouilles. Hein. Il y a un kit carrosserie extrême qui est sorti pour la BYD Atto 3 en Thaïlande. Je lui donne 2-3 informations. J'y vais dire, fais-moi un article. Il me fait... Voilà. Donc, du coup, ça permet de faire plus de contenu et me demander moins de temps. Donc, non, c'est pas du tout un gaspillage d'argent. De l'argent. Mais ça permet, pour moi, là, les scripts, les descriptions, c'est chiant de faire des titres différents, des descriptions différentes, et les mots-clés, et les tags, et les articles. Et après, j'ai un prompt où j'ai vas-y, fais-moi 3 posts Instagram. Un post Instagram pour dire que ma vidéo sort. Un post pour la vidéo que je mettrai en réel sur Instagram. Et fais-moi la même chose en anglais pour TikTok. Et il fait le boulot. J'ai plus qu'à copier-coller. T'imagines même pas le gain de temps. Ça m'a pris du temps pour faire les prompts, mais une fois que les prompts sont faits, je les fais à chaque fois. Le gain de temps incroyable que ça fait. J'espère que je pourrais faire voir ça au tipeur si on fait pour le bracelet. Peut-être pas cette semaine, parce que j'ai encore un peu de boulot. Mais je ferai la vidéo pour samedi. Français, anglais, italien, espagnol. Mais ça permet d'être vachement plus productif, carrément, si tu utilises l'outil, puisque c'est propre. Les communiqués de presse, vas-y, traduis-moi, fais-moi un texte. Le truc trop bien et tout. Maintenant, il va sur le web et tout. Enfin, c'est incroyable. Le geek.tv, il prend la vidéo, par exemple, de l'étrange voyage. Il lit la vidéo, il prend le texte, les informations, il fait un texte machin. Il va chercher sur le web des informations et tout. Enfin, il y a un gain de temps qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus productif. Est-ce que l'IA enregistre et utilise toujours les données demandées que tu lui as envoyées ? Il y a un mode privé. Soit tu le mets comme ça et elle le garde pour apprendre et donc du coup agrémenter sa base. Soit maintenant sur ChatGPT, sur les derniers, il y a un mode privé où dans ce cas, elle ne garde pas les informations que tu lui donnes. Voilà, c'est pour ça. Mais encore une fois, des youtubeurs ont déjà prouvé que même le mode privé de Google est pas si privé que ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'Apple ne veut surtout pas que les employés utilisent l'IA. Il semblerait que oui, il y a un incident de données avec Samsung, je crois. Ben oui, parce qu'avant, c'était open bar. Hein. Donc, c'est pour ça qu'après, ils ont fait évoluer le truc. Ils ont mis un mode privé. Je pense que oui, car l'Italie a signé en justice. Ouais, ils ont signé. Ils paniquent un peu. C'est vrai que, ben, c'est pour ça que le logiciel évolue aussi. Hein. Là, on en est vraiment au début. Alors, ça va vite. Et c'est un peu anarchique. Et après, ils s'adaptent. Hein, le mode privé, les plugins, des choses comme ça. Du coup, pas mal de sociétés ne recommandent pas son utilisation avec les data d'entreprise. Bah, ça dépend, oui, bien sûr. Sur les grosses entreprises, on est d'accord. Mais après, faut voir à quoi il utilise. IBM a son propre système. Si les employés utilisent ChatGPT qui est ouvert, c'est pas terrible. Mais on parle du cas de IBM qui a annulé plusieurs recrutements parce qu'ils se sont dit il y a pas mal de choses qu'on peut faire nous avec l'IA. Donc ils développent leur propre IA où ils prennent le noyau et l'adaptent à leur service. Donc là, ils ont un truc en local pour eux qui permet en fait de faciliter le travail. Après, encore une fois, il faut pas tout mélanger. Après, si tu utilises... c'est comme tout, hein, on dit, ah, mais j'utilise des trucs gratuits en ligne, ils utilisent mes données. Ben, c'est le principe des trucs gratuits en ligne. Google, tout ça. Oui, mais c'est gratuit. Ben, c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc aujourd'hui, ChatGPT 3.5 est gratuit open bar. Oui, mais si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, quoi. Donc soit tu passes en version payante et dans ce cas, tu as la version privée. Soit il faut être d'accord que quand c'est gratuit, même barre, même machin, tu prends un agent GPT, ils te font essayer le truc, et au bout d'un moment, ils disent ouais, c'est une version gratuite, t'auras pas plus, quoi. C'est juste pour te faire voir et t'inciter à passer au-delà. Vers l'infini et tout. Mon projecteur, c'est Vibra. Ah, très bon choix. Le même que j'ai présenté. C'est le gré, je t'écoute dans le podcast, mais de la cuisine. Pas mal ton concept. Merci beaucoup, Fredix. C'est rythmé de ouf. Hein. Après, je dis pas ça pour me la péter un peu, mais on s'est pas emmerdé. Hein. Jusqu'au moment où je lis les commentaires, c'est-à-dire soit les mecs se barrent à 40 quand j'ai fait mes sujets, mais j'ai fait tous mes sujets dans l'ordre. Ça veut dire qu'on a fait les reviews de la semaine, sujet 1, sujet 2, films et séries télé et une chaîne YouTube. En 40 minutes, on est digne de la... T'as, on est presque sur un petit format commercialisable. Zable. Voilà, prêt pour la radio.
Un conseil, Greg, regarde aussi Vision, c'est comme fait le dupe et ton youtubeur. D'accord, ou certainement. Je note, attends, V, si je ne l'ai pas déjà. Parce que j'en ai deux, trois là qui sont bien. J'en ai plusieurs que j'aime bien aussi. Je suis déjà abonné, je te dirai ça plus tard. Petit coucou du grand GG, bon dimanche l'ami. Bonjour, Bug Team 6-9. Où vais-je aller en juin, le prochain WT? Alors. Concernant le mois de juin, alors un, je dois retourner à, je dois aller à Bangkok faire renouveler mon visa, parce que je rappelle, j'ai un visa élite, mais comme mon passeport finissait au mois de juillet, ils m'ont pas mis plus que ce que mon passeport le permettait, donc il faut que de, je crois que j'ai rendez-vous le 1er juin à Bangkok, donc j'irai certainement à la veille, je dormirai là-bas pour être frais, le matin, allez, le truc d'immigration, j'aurai mon nouveau visa élite pour 5 ans, et dans ce cas, je reviendrai, donc juin, mi-juin, je voulais aller à Chonburi. Et je me demande si j'irai pas à Chantaburi. Chantaburi, s'il y en a qui se rappellent, on avait été, il y a un bon moment, il y a une grosse cathédrale, il y a la plus grosse cathédrale de Thaïlande, qui est incroyable et tout, et j'irai bien là-bas pendant 2-3 jours. Voilà, pour visiter, regarder, c'est pas très très loin. Je sais même pas si on pourrait pas y aller en moto électrique, à mon avis non, j'irais plutôt en moto. Mais ça permettrait de voir la cathédrale et de voir un peu ce qu'il y a, parce que Chonburi... Je suis un peu sceptique, tu vois, mais je dis Chantaburi, ça pourrait être pas mal. Donc ça sera plutôt mi-juin, puisque là, à partir de dimanche, commencent les émissions à Cocoud. À savoir, Cocoud, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, vendredi, on compte pas. Il y a au moins 4 jours, donc il y aura au moins 4 dimanches. Peut-être voire plus s'il y a plus que 25 minutes. S'il y a 40 minutes, je divise en deux, je fais deux fois 20 minutes. Donc, à voir, j'ai mis tous les rushs comme ça sur le disque dur et pour l'instant, je regarderai les formats. Donc, j'ai encore tout le mois de juin, là, j'ai ce dimanche-là et toi, jusqu'à mi-juin, sans trop de soucis. Et après juillet, il y a Mathieu Généreux qui vient, il va y avoir des WTS. Hein. Question, tu as une jolie coque de téléphone sur ton iPhone apparemment. As-tu fait d'autres achats lors de ton périple dans la rue des hommes avec aussi des hommes? Alors, ça, tu parles de la vidéo WTS du jour, bien évidemment, WTS avec la rue des hommes. C'est comme à Pigalle, sauf qu'à la place des tours Eiffel, il y a des mythes. Voilà. Adam, des trucs, tu sais, un peu. Il y a même French Kiss. Voilà. Non, je n'ai acheté que ça, parce que à chaque fois, c'est vraiment le truc, il faut absolument se retenir de ne rien acheter. Parce qu'on a toujours tendance à y aller et acheter plein de merde. Et après, bon, je suis parti en moto, tu vois. J'avais pas non plus une capacité de fou. Donc, c'est vraiment. Non, j'ai juste acheté la coque. Et après, un peu des gâteaux et des machins comme ça, mais c'est tout. Et la coque était quand même plutôt jolie. Et c'était pas marqué Louis Vuitton. Hein, c'était vraiment. Voilà. Et sur le iPhone, justement, j'ai remis le. Ah non, ça c'est le Samsung. Ah, il est là, il ouvre l'iPhone. Ah, mais il est là. J'ai remis l'autre parce qu'elle est pas MagSafe, sa coque, à lui, là. Après, je voulais mettre la batterie, tu sais. J'avais la batterie, j'ai dit, heureusement, j'ai la batterie. Et je mets dessus, j'ai putain, qui couillon. Et ouais, elle est pas. La coque est pas MagSafe. Et c'est pas le téléphone qui est MagSafe, c'est la coque. En fait, c'était le téléphone, moi. Le MagSafe, c'était dans le téléphone. Non, c'est dans la coque. Et si t'as pas la bonne coque, et ça marche pas. Chris, bonjour à tous. Fredo, le problème avec les shorts, c'est que ça tue les vidéos qui ne peuvent être expliquées en 1 minute. En plus, c'est souvent peu intéressé car juste fait à la vite pour faire des vues. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'où l'intérêt de faire un format intéressant. Voilà. Moi, comment je voyais le format? Moi, je voyais le format comme un teaser d'un format long. Et c'est des choses que vous pouvez voir sur JDGeek le blog. Ça veut dire que je dis, voilà, nanana, la présentation. Si vous voulez la review complète, allez voir GLG Review. Et je fais pareil sur TikTok. Si vous voulez la review en anglais, allez voir sur By GLG. Je dis ça à mon prompt et hop, ça me fait le texte en français. Il me dit allez voir GLG Review en anglais et tout. Et sur WTS, tous les shorts que vous voyez, en fait, sont des petits résumés des vidéos que j'ai fait à Cocoon. Donc, il y aura une longue vidéo où on verra tous ces morceaux-là. Mais de plus en plus, je pense qu'on verra, on fera certainement un format plus court au même endroit. Quand il y aura un endroit à faire en vidéo, il y aura toujours une vidéo short pour teaser et une vidéo un peu plus longue de 3-4 minutes où je prendrai un peu plus le temps de parler, d'expliquer. Mais ça sera dédié par endroit. Ça ne sera pas des moments où je marche pendant 10 ou 20 minutes dans la montagne, machin. Ça sera vraiment que des points à chaque fois, ce qui feront des vidéos plus dynamiques peut-être. Et se permettront de faire plus de teasers et des vidéos, tu vois, c'est-à-dire que chaque fois, j'aurai la vidéo, j'aurai le teaser short et j'aurai la vidéo plus explicite pour expliquer le truc.
Ce qui invitera, du coup, qui reprendra l'effet inverse de ta question, dire ouais, mais ça tease, on n'a pas le temps d'expliquer. Ça sera pour teaser, vous voulez plus, il y aura la vidéo longue le dimanche. Ou les reviews, il y aura les vidéos longues. Il est fort, hein, il est fort. Soit je suis trop fort et c'est la réussite et ça va être incroyable et je vais être encore là, au-dessus c'est le soleil. Soit je suis pas fort et on continue. On continue l'aventure à essayer des choses et de se dire, il n'y a pas raison que de faire des résumés de best-of, de machin, des compilations. Il y a des IA qui font ça. Il y a des IA maintenant qui prennent tes... Tu mets ta vidéo dedans, elles prennent les meilleurs moments pour faire un résumé, elles te font la vidéo toute prête et tu n'as plus qu'à la mettre sur les réseaux. Ça fait du contenu, mais ça fait pas du contenu quali. Ça fait du contenu qui est pareil et qui est pas quali. Voilà. WTS, c'est contenu qui est pas pareil, parce que c'est pas le même format. Et c'est pas fait une fois avec le téléphone et une fois avec la caméra. Et ça permet de teaser. Après, pour les shorts, c'est simplement un teaser. Et beaucoup me disent dans les commentaires, ouais, t'arrives à nous teaser en une minute. Déjà, ça me fait trop plaisir. Et ensuite, c'est pas faux. L'IA, c'est mieux qu'une secrétaire. Mais tu peux pas lui mettre la main au... Si, si. Si, si, moi, avec Jeanne, on fait ça. Avec Jane. Avec Jane, on fait ça. Hein. Je me suis, là, suis modélisé, là. Modélisé, imprimé en 3D et PC. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais au moins, je te mets pas au prud'homme. Tu le mets hein, en 3D, voilà. Le problème avec les... mais il a deux fois le même commentaire. Je voulais dire intéressant. D'accord. Ok, maintenant, je comprends mieux le principe de tes vidéos... de tes différentes chaînes. C'est exactement ça. Le but, c'est que pendant un moment, je me suis emballé à faire beaucoup de chaînes. Et l'intérêt, c'était... GLG Review, je fais ma review. J'ai mes plans. Après, au début, je voulais faire une autre review un peu différente sur GLG Vidéo et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop de travail. C'était plus intéressant pour moi de cette vidéo-là de dire « Tu me la fais maintenant en anglais. » Et donc, du coup, la faire lire par Jane en anglais. Et pareil, de remettre les plans parce que je lui dis de suivre les séquences. Donc là, sur BLG, Jane English, je les machin comme ça. Et après, je me suis dit « Tiens, fais-moi un format short de cette vidéo. Fais-moi un format short pour teaser, quelque part. » Et après, moi, ce qui est bien, c'est que quand je fais au montage, quand j'ai mon format, donc du coup, je lis le script qu'elle me donne, hein, en français, je coupe, j'ai une vidéo d'une minute, soit je mets juste une présentation du produit, tu vois, parce que mes plans, de toute façon, ils sont déjà en 4K, donc je les mets par-dessus, et je me dis, tiens, j'ai une vidéo courte en 4K, donc ça sera pour GLG Vidéo. Ensuite, je recrée un projet en format vertical, donc là, du coup, bah, les formats, je dis recadrer que au milieu. Et là, bah, j'exporte, et donc du coup, je me retrouve avec la même vidéo que GLG Vidéo, mais au format vertical. Donc je me dis, bah, en même temps, voilà, on peut le mettre sur JT Geek le blog, ça permet d'apporter du contenu. Et à partir de ChatGPT, je dis, maintenant, fais-moi ce script en anglais. Soit je dis, tu me le traduis juste en anglais. Généralement, je dis, fais-moi un autre script en anglais. Normalement, elle fait le même truc en anglais. Je le fais lire par ouin-ouin en intelligence artificielle. Et je me retrouve avec une timeline là, et je remets exactement les mêmes plans à la verticale que j'avais pour la française, et je me retrouve du coup avec un autre format que là je peux mettre sur TikTok. D'ailleurs, je crois que le format short que je mets sur JTK le blog, je le mets aussi sur Instagram. Je le mets dans les réels aussi. Oui, parce que j'ai un format vertical tout propre d'une minute. Donc je peux mettre sur JTK le blog, forcément c'est facile, nanana. En plus, ChatGPT il me fait une description, tout ça, tout ça. Et je peux le mettre également dans les réels. Voilà. Et dans les vidéos, je dis bien dans le script de dire que s'ils veulent la vidéo complète, ils peuvent l'avoir sur GLG Review. Donc ça permet vraiment de faire un petit teaser en disant, ah, voilà le produit, les petites informations comme ça, vous en voulez plus, GLG Review ou bah, GLG in English. Voilà. Moi, c'est comme ça que je voyais l'idée. Voilà. Comme je l'ai dit, soit c'est l'idée du siècle, et tout ça. Soit c'est pas l'idée du siècle, et bah, en même temps, c'est pas comme si ça me demandait un travail de dingue. C'est plus du travail de montage, enfin, faire la voix... je fais pour GLG Review, la voix, j'ai que la voix du short en anglais, mais je lis juste à lire le script de ChatGPT, ça dure une minute, donc c'est pas très très long, tu vois, même si je fais les plans, je coupe et je fais phrase par phrase, en anglais, je fais lire par ouin-ouin, c'est vraiment que du montage après, donc c'est pas, en plus, même la GLG in English, les vidéos, elles font généralement 3 à 5 minutes, hein. Elles font même pas, sont beaucoup moins longues que moi, hein. Elles parlent beaucoup moins, tu vois, mais avec des prompts bien faits sur ChatGPT, ça fait le travail, putain, ça fait les scripts, les textes, les articles, machin, tu vois, pour JT Geek, je vais faire un article, c'est là. En plus, comme du coup, ChatGPT, je lui donne le script, par exemple, là, la vidéo du AGM, tu vois, le AGM, ça, c'est tous les points importants, tu vois, donc dans la boîte, la taille de l'écran, la caméra avant, là, donc à chaque
truc comme ça, je ferai un plan vidéo qui correspond à ça, à chaque séquence. Ça, je l'écris après en informatique sur mon truc, et à ChatGPT, je lui dis voilà le script de ma vidéo avec ça. En suivant ce déroulement, fais-moi une vidéo en anglais. Nanana. Et après, du coup, quand je lui demande, comme en fait on suit la conversation, quand je lui demande de faire un article pour JT Geek et pour legeek.tv, elle sait de quoi je parle. Elle sait que je parle du HGM G2, quelle est la caméra, quelle est la configuration, quelle est la caméra thermique, je parle de ma conclusion et tout, puisque j'ai recopié, tu vois, tout ça à l'écrit. Donc, ma review, elle me demande du travail au début, mais après, je l'utilise sur plein de variantes, et ChatGPT fait tout le taf. Hein. Et pour 20 balles par mois, je peux dire que ça les vaut grave. Par rapport au temps que je gagne, parce qu'à chaque fois, tu sais, faire un article sur JT Geek, tu vois, avant, fallait écrire à la main, un truc, on reprend les descriptions. Alors, je faisais des trucs un peu courts, un peu à l'arrache, tu vois, machin. Là, j'ai dit, fais-moi un article de 400 mots pour présenter ma review du HGM G2. Elle sait de quoi je parle, elle sait ce qu'il y a dans le téléphone, elle sait, il y a ma conclusion dedans, elle sait les points positifs. Et c'est moi-même, à chaque fois, je me dis, waouh, j'ai fait le Doogie vendredi et samedi. J'ai fini les plans, machin, vendredi, samedi, j'ai fait, alors, j'étais un peu cramé samedi, parce que je fais beaucoup de montage, et c'est quand même, il y a un rythme qui est assez soutenu, mais ça, j'ai fait tout, tu vois, et je me suis dit, putain, mais pour faire autant de travail, avant, il m'aurait fallu, soit j'aurais fait moins bien, j'aurais bâclé, soit il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Donc pour moi, c'est très, je suis très content de ça, et je me dis, putain, maintenant, petite chaîne en thaïlandais, là, je me dis, même si, je vais pas dire que je vais refaire des reviews en taille, parce que pour l'instant, c'est un peu présomptueux. Mais faire ma vidéo short en taille, ma vidéo short, je l'ai, tu vois. J'ai mes plans, machin, j'ai la voix d'une minute. Après, que ce soit français, anglais ou taille, à partir du moment où ils me traduisent que c'est propre et que je fais lire par la voix, j'ai juste à changer la voix en anglais, coller, c'est la place en taille, exporter, j'ai un short en taille. En disant bien que s'ils en veulent plus, ils peuvent aller sur BGG in English, tu vois. Et après, commencer à tâter le terrain comme ça, ça marche bien, je peux faire les reviews en taille, puisque je les fais déjà en français de moi-même, et je les fais faire déjà par l'IA en anglais, donc je peux très bien les faire faire l'IA en taille. Comprends le délire? Donc, ça ouvre énormément de possibilités, c'est pour ça qu'il faut mettre les mains dedans. Regardez comment on peut utiliser les outils maintenant, et quand les outils évoluent comme ça, avec des voix, des machins comme ça, tu vois, oh, c'est pas mal, se connecter au web, truc, là, là, là. Tu dis, oh là, maintenant, je fais évoluer mon business et mes idées avec les nouveaux outils qui sont mis à jour, puisqu'il va y en avoir régulièrement comme ça. Et que si tu t'y prends trop tard, et bien après, tu auras beaucoup trop de retard à rattraper. Tu pourras pas tout assimiler. Comme d'ailleurs pour les images, par exemple, sur les magouilles, je les fais faire par Bing. Aujourd'hui, par exemple, prenez ma vignette de la meuf qui tient les bitcoins. Je l'ai fait faire avec Bing Creator. Parce que Bing Creator, c'est une version de... Ça génère des images, mais gratuitement. Qu'est-ce que je lui ai demandé à Bing Creator? Je lui ai demandé... Merde, mais sont mes images? Prenez-moi nom, créer nom. Créer avec IA. Pourquoi elles sont où mes trucs? Ah, mes créations. Je suis allé sur Bing Creator et je lui ai demandé le script. Au début, c'était jeune femme asiatique riche. Alors, il m'a fait une meuf avec de l'argent comme ça, nanana. Et après, je lui dis jeune femme asiatique riche en Bitcoin. Et il m'a fait une image qui ressemble, vous regarderez la vignette de la vidéo, bah, on dirait une vraie meuf, quoi. Avec qui tient un Bitcoin et tout. Trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça évite de passer parce que les autres, il faut monter un Discord. Enfin, pour tous les autres, il faut créer un Discord. Et j'ai pas de compte Discord et créer un autre truc et machin et tout. Voilà. Là, Bing Creator, tu vas, il suffit que tu aies un compte MSN ou Bing ou Skype ou n'importe quoi, tu vois. Et là, tu vas sur Bing Creator, tu te logs et tu as la même administration. Tu as des points tous les jours et tu lui dis ce que tu veux, te fais. Et toutes les images que je fais sur les magouilles. Même la vignette du WTS, j'ai fait faire. J'ai mis Bangkok. Je sais plus ce que j'ai mis comme. Attends, c'était quoi le script de pour Bangkok? C'était. Alors attends. T'es où toi? T'es vilaine. Là. C'était. J'ai demandé. Bangkok Thaïlande. j'ai dit Bangkok Thaïlande. J'ai dit, tu me ferais. Tu sais, pour faire la vignette. J'ai fait un truc bien. J'ai mis Bangkok Thaïlande. Il m'a sorti 4. Putain d'images, dont la nuit avec les trucs et tout, et ça m'a fait mes vignettes, ça m'a fait ma vignette pour la vidéo, où c'est trop bien, je suis sûr que, en plus, c'est bien putaclic, ça m'a fait ma vignette, du coup, je crois que sur JT Geek et sur les magouilles, j'ai pas mis la même, tu vois,
Et voilà, encore une fois, c'est utiliser les outils pour faire trouver une image de Bangkok, nanana. Là, tu dis Bangkok, Thaïlande, il te prend des trucs où la meuf avec le bitcoin, c'est trop bien. Jeune femme asiatique riche en bitcoin, une meuf pas mal, un peu que le petit décolleté et tout, et tout. On dirait une photo. Après, alors, soit c'est l'IA, elle a pris une photo, et je sais pas comment ils ont fait. Ou ça, c'est vraiment que l'IA. Et trop bien avec le petit décolleté, mignonne, avec ses bitcoins et tout dans la main et tout. Moi, ça me rend fou, tu vois, à mon niveau, et je pense que j'utilise même pas, tu vois, un pourcentage du potentiel de tout ça. À mon niveau, déjà, moi, ça me rend fou tout ce que je peux faire et tout, tu vois. Je me dis, putain, trop bien de chercher une image d'une meuf asiatique en bitcoin, machin, sur Google, la copier. À la fois, on avait fait un truc, mais, ah, mais c'est le truc de mon livre, il faudrait le truc, tu sais, voilà, c'est copyright et tout. Là, 30 secondes, j'avais 4 images à choisir, j'ai pris celle qui me plaisait le plus, et bing, je crois, je sais pas combien t'as de points tous les jours, mais. Bing Creator, j'ai combien de points déjà? Il me reste encore 100 points. Je sais pas combien ça prend en image, truc, mais j'ai encore 100 points à faire. Et j'ai fait, bah, il y avait la fille asiatique, j'en ai fait toutes les images de l'émagouille, je les ai fait avec ça. Je fais une phrase à la con, et ça me fait un truc qui est souvent pas trop mal, tu vois. Souvent, ça me va, je me dis, ouais, par rapport, toi, par rapport aux informations, je sais pas trop quoi lui demander. Une fois, je mets le titre, ça fait un truc, je dis, ouais, c'est pas mal. Il y a toujours, sur les 4 qui me proposent, il y en a toujours une qui me plaît bien. Désolé pour le commentaire, j'ai voulu corriger. Ok. Depuis l'utilisation de l'IA, tu as quantifié la différence avant la mano? Oui, oui, bien sûr. Ça permet de faire. Prends le cas de. Je fais une review, et aujourd'hui, chaque fois que je fais une review, je fais un article sur JT Geek. Avant, je faisais une petite description à l'arrache dans YouTube. Je la copiais-collais dans l'article et je mettais la vidéo. Aujourd'hui, je suis capable de lui demander, crée-moi un nouveau titre. Et je vois que dans les titres, il est beaucoup plus racoleur que moi. Moi, j'ai du mal à faire du putaclic. Par exemple, prends ma vidéo WTS du jour. Road trip incroyable à Bangkok, nanana. Moi, je suis pas capable de faire ça. Parce que c'était une journée à Bangkok à l'ambassade, il n'y avait rien de fou, tu vois. J'aurais mis, ah, on va voir la rue des PD à Bangkok, tu vois. Là, c'était trop. Tu vois, je n'étais pas capable de faire ça. Et par exemple, de mettre le Dougie V30, le téléphone, le titre, je sais plus ce que c'est incroyable, le téléphone massif. Il est capable de faire des titres en disant, fais-moi un titre un peu accrocheur. Il est capable de faire un titre que j'aurais pas fait moi-même. J'aurais pas été jusque-là. Tu vois, j'aurais pas été aussi racoleur. Mais en même temps, il faut, tu vois ce que je veux dire. Donc quand je dis, fais-moi un article pour JT Geek et fais-moi un article pour legeek.tv, avec des titres différents, 400 mots pour JT Geek, 400 mots, il reprend le script, il dit, voilà, ce téléphone-là, il est trop bien, il a une caméra, et la charge, c'est super agréable et tout. Et il fait sa vie. Et en même temps... Vu que je vois que les articles, de toute façon, les gens les lisent un peu en travers. Là, c'est juste pour argumenter la vidéo. Les gens vont regarder la vidéo, ils vont pas aller se retaper l'article en disant « caméra de 32 millions de pixels ». Ils le savent, tout ça. Mais ça fait un article qui est propre, qui est quali et qui est bon pour le SEO. Donc, moi, en gain de temps, c'est fou. C'est fou, vraiment. Je le vois, ne serait-ce que... pour mes vidéos, pour faire comme ça, pour les communiqués de presse et les articles qu'on a en anglais sur les téléphones, généralement, j'ai un prompt maintenant qui est bien, en mettre des titres, machin comme ça. Tous les articles JT Geek sont générés avec ChatGPT, hein. Relus, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas de conneries, mais tous les articles sont gérés. Les articles font 400, 300, 400, 500 mots à chaque fois. Il y a des titres, il fait les H2, tu vois, dans les titres. Il fait les descriptions, machin. À la fin, tu lui dis, fais-moi une incitation aux commentaires. Ouais, on veut votre avis, machin et tout. C'est fou, mais encore une fois, il faut bien lui demander. C'est bien, je sais pas comment il s'appelle, Ludo. Il y a un gars, je sais pas si vous le trouverez, s'il y en a qui a pas de main. Il s'appelle Ludo, il parle de l'IA à chaque fois. Il parle des prompts et tout, c'est trop bien. Attends, je vais vous donner sa chaîne YouTube parce que il fait du super boulot. Il vend des trucs, bien évidemment, mais il vend des prompts et tout. Mais ce qu'il propose en gratuit, moi, ça me suffit parce que pour le reste, le marketing de trucs, de tout ce qu'il vend, moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de... Alors, abonnement. Dylan Chaboubi, ça, j'ai vu. Ça, c'est bon. Abonnement. Aujourd'hui, putain, mais comment on fait pour historique? Ah, historique, non, 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 non. Ah, il s'appelle
Ludo Salen. Je vous mets là. Voilà, Ludo Salen. Allez voir ce qu'il fait, abonnez-vous, il parle des nouveautés, il donne des promps comme ça. Mais évidemment, il est là pour vendre sa cam aussi. Mais il donne pas mal de promps gratuits, des idées, il teste les plugins et tout. C'est bien, c'est propre ce qu'il fait et tout, c'est machin. Et une fois que t'as bien compris comment lui demander les trucs, faire les promps et tout, tu le fais une fois. Après, moi, c'est une routine, hein, faire des articles sur JT Geek, faire des scripts, faire des vidéos, faire des articles, faire des posts Instagram. Par exemple, pour la vidéo de demain... Je sais pas si je peux vous le mettre. Si je peux, je peux le mettre. Là, regarde. Là, c'est mes prompts, par exemple, IVC VPN. Alors, ça, c'était bon. Teclas, non. Il est où le Doogie? Traduction, optimisation. Ça, c'est pas ça. Doogie, regarde. Je vais voir un peu, regarde. Ça, c'est le tout début. Faire un script en anglais pour une vidéo YouTube, vidéo, nanana. Reprendre tous les points ci-dessous. Donc, j'ai toujours commencé par bonjour, nanana. Et après, je reprends tout ce que j'ai écrit là, hein, toi, dans la boîte, Doogie, nanana. Dans la boîte, le câble, l'écran 66 watts, le tel fait donc, les dimensions, l'écran, la caméra, test de cam photo. Alors, là, je fais dire, enfin, qu'est-ce que j'ai fait avec la photo. À gauche, à droite, en bas, nanana, le lapin, le processeur à Dimensity, 6 mm qui donne un score. Tu vois, tout ce que j'ai repris, mes prompts. Mes trucs, mes scripts que j'ai fait à la vélo. Et là, après, il fait voilà, hello en anglais. Donc, ça, c'est ce que va lire Jay. Donc, j'ai juste à copier-coller et je fais lire à Jay. Donc, là, elle va me sortir tout le texte. Et après, comme elle reprend, comme j'ai bien dit de reprendre tous les étapes un par un, les plans, je les ai déjà. C'est les plans que j'ai fait en français, tu vois. Ensuite, je mets rédiger la suite. Parce que là, bon, quand ça fait plus de 300 mots, il faut mettre rédiger. Faire un article d'au moins 400 mots et un titre en français pour mon blog jtgeek.fr où je présenterai cette vidéo en français, puis faire un autre titre et une autre version courte de 300 mots pour mon blog legeek.tv, finir par 10 étiquettes parce que dans WordPress tu peux mettre des étiquettes, c'est bon pour le référencement, séparé par une virgule, hop, et là elle te dit vas-y, là l'article de JT Geek, 400 mots, titre, découvrez le Doogie, un smartphone robuste à la pointe de la technologie, donc là j'ai mon article tout bien, les étiquettes. L'article pour legeek.tv, donc là il est vachement court, mais en même temps, bon, legeek.tv c'est juste pour de faire un peu, donc rédiger la suite. Ah, il était court, mais la suite est là. Ensuite, je dis faire un titre accroché. Alors, ça, parce que généralement, quand, en français, je demande, comme c'est moi qui le fais, après, je dis bah, tiens, fais-moi un titre accrocheur en français pour cette vidéo, une courte description, donc là c'est pour GLG Review, 3 hashtags et 20 tags séparés par une virgule pour ma chaîne vidéo française, GLG Review. Donc là, elle me dit, titre, Doogie V20, le roi des smartphones robustes. J'ai repris ça, mais il manquait quand même un peu de Dimensity, de caméra et tout. Donc, hein, la courte description pour ma vidéo YouTube, les 3 hashtags, smartphone robuste, nanana, et les tags que je mettrai dans la description YouTube. Là, encore une fois, ça, c'est des trucs, normalement, il faut réfléchir. Découvrir le Doogie V20, c'est quoi la caméra, c'est quoi le machin et tout, voilà. Alors que c'est que du texte, c'est que du SEO. Tout le monde s'en bat les couilles, personne ne lit, sauf Google. Il le lit, il adore ça. Ensuite, j'ai dit faire un script en anglais pour une vidéo short TikTok d'une minute, puis faire un script en français d'une vidéo short d'une minute max, ok. Finir la review en indiquant qu'ils peuvent voir la review complète sur GLG Review en français et by GLG in English en anglais. Ne faire que le texte, play timer. Alors, je dis que faire le texte parce que pendant un moment, il mettait interlocuteur, entre guillemets, ou machin, donc ça, c'était un peu long. Et pendant un moment, il mettait des timers, 0-0, machin, pour que ça fasse moins d'une minute, tu vois. Et après, donc là, on regarde script 1, une minute sur TikTok. Voilà. Hello, lovers, nanana. Donc là, je fais lire par Jane en anglais. Et après, ben, je mets simplement mes plans d'introduction du téléphone. Hein. Je mets juste, au début, je mets toujours un plan de face, un plan d'arrière et des plans pour faire voir les boutons. J'ai dit ça suffit, pas besoin de mettre beaucoup plus, c'est une vidéo short pour teaser. Le script, une minute en français. Alors généralement ça, comme c'est moi qui le lis, je le retravaille. Au lieu de dire salut les amateurs de technologie, j'y prends chou à tous, nanana, comme ça. Des fois j'improvise un peu parce qu'il oublie la micro SD, tu vois là. Il y avait 12 gigas de RAM, puis il y avait 8 gigas virtuels, donc ça j'improvise un peu. Après je regarde, faire un titre en français. Faire un titre en français pour une vidéo, une description courte de cette vidéo, 3 hashtags et 3 mots-clés séparés par une virgule pour GLG vidéo, parce que en fait, une fois que j'ai mon script, je dis pour GLG vidéo, je l'ai fait en 4K, mais il me faut un titre, une description et des mots-clés. Donc là, il les a fait. Je lui dis faire un titre en français, une description courte de cette vidéo, 3 mots-clés séparés par une virgule pour JT Geek le blog. Donc là, c'est ma version verticale, qui est la même que la version 4K, mais en verticale. Donc pour moi, j'ai fait une vidéo où j'ai juste pris le texte.
J'ai fait mes plans, donc ça c'est vraiment facile à faire, tu vois. Mais par contre, faire la description, le titre et tout, c'est relou, tu vois. Et après, faire un titre en anglais de cette vidéo TikTok, une description courte, trois hashtags, nanana. Donc là, elle me tape les articles qui vont tomber demain, mardi et mercredi. Voilà, titre pour la vidéo, je t'édite le blog, hein, description courte, les mots-clés, tout ça, nanana, tout ça va bien. Ensuite, on continue. Faire un titre en anglais pour cette vidéo, une description courte, plein pour le lien produit, trois hashtags et les mots-clés. Donc là, c'est pour reprendre la description en anglais, parce que j'ai demandé de traduire, de faire un script, mais j'ai oublié de faire un titre, une description, des mots-clés et des hashtags dans la description. Et voilà. Et après, demain, j'ai un truc tout prêt qui va s'appeler... Alors attends, il est où ? Dougie. J'ai un truc qui va s'appeler... pour la vidéo anglais TikTok. Ah non, j'ai déjà fait. Tu vois, script d'une minute. Attends, je vais le faire comme ça. Il n'a pas fait. Ah si, j'ai fait. Mais il est où? Pourquoi il n'a pas mis le. J'ai demandé de faire les posts Instagram. J'étais déjà, moi, pour GLG vidéo. Ah oui, c'est ça. J'ai fait un prompt qui est celui-là. Alors, je ne l'ai pas fini. Si, on dirait. Si, ça regarde. Ignore tout ça. Tu peux mettre oui ou non. Hein. T'es un expert en communication Instagram et TikTok pour la vidéo YouTube Dougie V30T. Parfait avec son Dimensity. Donc, ça, c'est mon titre de ma vidéo. Peux-tu faire un post Instagram pour présenter la vidéo FR GLG Review? Un autre post Instagram en français pour présenter cette vidéo en réel? Donc, comme ça, je mettrai ma vidéo directement en réel. Et un post TikTok en anglais où je présente la vidéo. Donc, voici les liens. La vidéo en français. Donc là, c'est la vidéo qui tombe demain. La vidéo en anglais ici. Commencez le post par « Bonjour à tous ». Ton post doit être optimisé dans l'anglais allemand. Rajoutez les tags « GLG Review » pour la vidéo en français et « GLG in English » pour le post engagé. Alors là, ça, j'ai un peu merdé, mais bon, c'est pas grave. Généralement, il arrive. Tu mets « Générer ». Et voilà. Et donc demain, du coup, bah, ça va être ça. Je mettrai sur Line pour mon truc. Sur Instagram, je mettrai pareil. Je mettrai la photo du produit. En disant voilà la review, nanana, et mes commentaires. Je sais pas s'il reprend les liens à chaque fois. Il a oublié, tu vois, il a oublié de mettre le lien. Donc après, tu peux dire remets-moi les liens des vidéos dans les descriptions. Attends, mettre ça dans les descriptions. Tac, voilà. Donc là, il a repris le TikTok, nanana. Aucun il a repris. Hein. Si, parce que je crois que sur Instagram, il dit lire dans ma bio. Parce qu'en fait, sur Instagram, il sait qu'on peut pas le mettre. Donc, il met bien lire dans ma bio. Ok, donc là, je mets remets-moi, tu vois, ici. Hop. Qui va comprendre. Cherche un peu. Mais voilà, donc c'est vraiment pour vous faire voir un peu comment. Bah, en fait, généralement, tout ça, c'est long de faire des descriptions, des mots-clés, des machins comme ça. Donc, il y a un peu de mal, ChatGPT, ce soir. Il y a un peu de monde là. Les Américains sont post Instagram en français pour présenter. Ah, il a du mal, hein. La vidéo. Ouh, il a vraiment de mal ce soir. Mais voilà. Donc, c'est est-ce que je peux, dans les exemples concrets, est-ce que je peux gagner du temps et tout? C'est fou que tout ce que tu peux faire là, généralement, une fois que tu as les prompts, tu cliques et généralement, il suffit de le temps. Tu vois, il faut plus de temps pour qu'il le fasse. On vous présente, ouais, donc ça je pourrais mettre je vous présente, tu pourrais à la fin, tu vois, une fois qu'il aura fini, tu peux dire refais la première personne, pour lui casser les couilles un peu, t'as droit à 25 tous les 3 heures je crois, 25 de requêtes, après au-delà de ça il te dit tu me casses les couilles, il faut en laisser pour les autres. De visualisation, côté audience, nombre de vues, c'est... pas flagrant. Sur GLG Vidéo, oui, parce qu'on a rechangé... non, sur GLG Review, oui, parce qu'on a rechangé la stratégie. On était avec un mec avant qui nous mettait... ça faisait beaucoup de vues, mais on n'avait pas de ratio. Et le ratio était pas bon et tout. On a aussi retrouvé un autre gars qui met du site under et tout pour les vidéos en français. Donc, on a repris pas mal de trucs là-dessus. Et le maillage interne commence à porter ses fruits. Le problème, c'est que tous les maillages internes, même chez YouTube, font un mois avant que ça se mette en place. Mais aujourd'hui, le fait de parler des vidéos sur une chaîne et d'envoyer vers l'autre ou de mettre à la fin sur cette vidéo et tout, c'est vachement bon pour le référencement. Et on voit que YouTube nous aime mieux. Tu vois, là, il le fait. Nanana, technologie de la vidéo, aimer, commenter et partager. Voilà, donc après, on va le laisser finir. Mais là, il a beaucoup de mal ce soir. Et on pourrait dire, refais à la première personne. Tu vois, comme ça, j'ai juste à copier-coller. Généralement, je mets dans un fichier notes de Mac. Comme ça, je peux le récupérer sur le téléphone. Et voilà. En fait, on fait pas beaucoup plus, mais on fait beaucoup plus quali.
Au niveau des vues, on voit qu'on fait plus de qualité. Aujourd'hui, je fais que du français, quasiment. Un peu du Niger et tout, avec les potes de Shadow. Mais voilà, on est sur du bon francophone. On a du bon maillage interne. On voit qu'il y a des gens qui viennent de l'autre chaîne vers ici. Bah, toi, ça fait un... C'est propre, voilà. C'est propre. C'est moins, mais c'est beaucoup plus propre. C'est quali, on a des belles descriptions, tu vois. Là, le post Instagram en français pour le réel. Donc là, la vidéo, je la mettrai en réel du Doogie après-demain. Parce que demain, je mets GLG Review et je t'édite le blog. Après-demain, je mettrai GLG Vidéo et en réel. Et le dernier jour, je mets en anglais TikTok. Voilà. Mais voilà, on voit que tout est beaucoup plus quali. Où généralement, un article, c'est 300 mots pour le SEO. Avant, je le faisais pas parce que c'est chiant. Enfin, pour des fois, il y a certains trucs, je voulais pas le faire. Là, j'ai tendance à le faire parce que c'est lui qui le fait. Je dis voilà la matière, avec ça, vas-y, fais-moi rêver. Tu vois, brode. Et il fait des trucs plutôt bien. Voilà. Au fait, t'as toujours YouTube Premium France? Je crois, ouais, je crois que je suis maintenant. Au début, c'était. J'ai. Toi, il a pas marché. Hein. Il a tout planté. Ah, tu vois, regarde, là, il a bien planté parce que tu vois, regarde, on bouge. On va le faire, il a refaire. On va arrêter. Tout le monde a dit qu'il faut arrêter, refaire à la première personne. Ouais, tu vois, on a accroché. Post Instagram, bonjour, je vous présente aujourd'hui le roi des smartphones robustes, le Doogie Valin, équipé d'un processeur puissant et d'une batterie Instagram rapide sur ce téléphone est une véritable belle fortune. Je vous invite à regarder ma vidéo YouTube ici. N'oubliez pas, voilà, donc il y a toujours l'incitation, comme à la fois, tu vois, on lui a bien demandé, hein. Enfin, je lui ai bien demandé de faire une post Instagram, c'était pas ça. J'ai demandé de faire une incitation. Ton post doit être optimisé pour l'engagement, c'est-à-dire dire aux bien aux gens de s'abonner, de liker, rajouter les tags GLG Review pour la vidéo en français, GLG in English. Donc généralement, il comprend bien. Là, ici, on a bien partagé. N'oubliez pas de liker GLG Review, Doogie, YouTube, smartphone robuste et 5G. Voilà, ça c'est bien. Là, c'est le post Instagram. Et si on prend le post en anglais, donc là, il met bien la vidéo qui est différente, donc il met bien la vidéo en anglais. Ici, don't forget to like and subscribe and check my video in English action. Voilà, bah, GLG in English. Voilà. Donc, il a bien de lui-même, toi, quand tu lui as demandé, il a bien saisi la nuance que il voulait faire quasiment la même chose. Et comme ça, sur TikTok, j'upload la vidéo verticale en anglais. Je copie-colle ça et vas-y, c'est copie-colle. Oui, on copie-colle ici. Copie-coller, voilà. Et il fait le taf. Et c'est là, du coup, voilà, on est beaucoup plus productif et c'est beaucoup plus quali pour le référencement et tout, c'est beaucoup plus propre. Et pour Premium, oui, désolé, je suis en retard. Ah bah, un petit peu, ouais. Il y a le championnat du monde de BMX flat en direct du fils de Montpellier. Alors, faut pas m'en vouloir. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu que Vodka, il y était et j'en suis un autre là qui a la marque de gants Philippe Canclot, je crois. Philippe Canclot, sa marque, c'est Disaster. Je suis lui aussi et il a dit qu'il y était. Et je suis tombé sur un autre aussi qui fait des tests de Scoot to Street, qui teste les trottinettes, qui a testé les trottinettes Lidl, qui était dans mes recommandations. Et je crois qu'il y est aussi. Tout le monde y est. Ils ne sont pas tous bien placés, mais tout le monde y est. Pour Général Chalpener, remplace-moi ce soir. Je vais boire un verre. C'est ça. Fais le live. Fais le live. Mais après, on y arrivera. On y arrivera, puisque à partir du moment où tu es capable de faire, de donner un. Une base comme moi, toi, mon plan il est fait, mon programme il est fait. Donc je fais mon programme comme ça. Après, à ChatGPT, je pourrais dire, vas-y, avec ça, fais-moi un script pour un podcast. Là où tu fais une vidéo, tu fais, fais-moi un script pour un podcast avec tous ces éléments-là. Il le fait. Tu lui dis, fais lire dans Ouin-Ouin, ou maintenant dans ChatGPT en version française, c'est propre, hein, la voix, elle est bien, il y a l'intonation et tout, c'est pas mal, tu vois. Et après, on a vu, il y a déjà des chaînes YouTube où tu donnes le texte, enfin des IA, il y a déjà des IA où tu lui donnes le texte, et là, tu as la personne virtuelle, et tu as la voix, tu as la bouche qui bouge en fonction de ce que tu racontes et tout. Hein. Donc, ça existe déjà, pour l'instant, c'est cher et c'est le début, mais ça existe déjà. Et voilà. Mais rien ne vaut le naturel, car chasser le naturel, il revient en galop. Non, pas du tout. Allez, on arrêtera là-dessus. Il est déjà 23h30. Ce live a beaucoup trop duré. Moi, demain, je fais le AGM G2. Bah, je fais mes plans.
j'ai déjà fait mon script, j'ai déjà fait quelques photos à l'extérieur. Je fais les plans, je fais les photos. L'après-midi, je vais à l'immigration. Quand je reviens, je ferai peut-être la voix face caméra, parce que ce sera lundi, ce sera pas mal. Comme ça, je ferai la voix face caméra. Ensuite, je ferai générer toutes mes informations, puisque mes prompts, je les ai par l'IA. Donc du coup, j'aurai mes scripts déjà tout prêts, et je ferai faire lire par la voix en anglais. Comme ça, demain, c'est bien. Comme ça, mardi, c'est que journée montage. Mardi, montage pour la vidéo en français, montage pour la vidéo en anglais, le montage des shorts et tout. Les articles, vous avez vu, ils sont déjà tout prêts, j'ai juste à les copier-coller et à les mettre dessus. Donc oui, en gain de temps, c'est incroyable, et ça permet d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus qualitatif. Voilà. Bonnevin, à la Skynet, il faut une ouverture complète sur le web. Et là, déjà, c'est ce qui font peur, c'est que avec les agents GPT, des choses comme ça, quand tu demandes de faire des actions, il te dit, est-ce que je peux prendre le contrôle de votre ordinateur? Est-ce que je peux contrôler cette application? Est-ce que je peux me connecter au web? Est-ce que je peux... Donc si tu lui dis oui, ou s'il dit oui lui-même, il aura accès à tout. Et après, oui, forcément, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton rouge? Vas-y. Sauvons la race humaine. Comment je peux sauver la planète? En éradiquant la race humaine. Voilà, fin du game. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce live qui était extrêmement rythmé, d'après moi. Peut-être trop, peut-être pas assez, peut-être que... Bon, après, je passe. Il y a vraiment une grosse partie. C'était un peu le format que je voulais faire, c'est-à-dire un format qui est rythmé jusqu'à 40 pour ceux que ça intéresse, et après c'est de la lecture de chat et de l'interaction, pour que ça soit pas juste un format podcast, mais qu'il y ait bien une interaction avec vous, qu'on puisse discuter, commenter, jouir un peu de vos super chats et de vos Tipeee. Ah ben non, il n'y en a pas eu, il n'y a eu que Fredo. Voilà, mais on ne désespère pas, peut-être la semaine prochaine. Allez, c'est tout pour ce dimanche, moi je donne rendez-vous dimanche prochain, on essaiera de trouver un sujet au moins autant captivant que celui-là, mais moi je me suis bien éclaté cette semaine, parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. J'espère que vous aurez aimé mes trucs sur les arnaques des Asiatiques. Si vous avez de l'expérience, n'hésitez pas à le mettre pendant le replay, si vous avez voilà, des histoires qu'elles vous ont racontées, des choses comme ça, vous pouvez y aller, ça fait plaisir. L'intelligence artificielle aussi. Est-ce que ça mériterait qu'on fasse un live une fois complet pour faire tout ensemble? Je sais pas. Je suis open à ouvert à cette proposition tant qu'elle touche pas à mon anus en silicone. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Surtout, restez ouverts. Rendez-vous dimanche prochain. Même heure, même endroit. Bye bye.